C'est un peu brutal. Hein. Oui, c'est un peu brutal. Je suis Bonsoir désolée. à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne de l'Entortillé. Et ce soir, comme le mois dernier, on accueille Laurent de la chaîne Bande Dessinée pour parler avec nous de Solfège de l'objet sonore de Pierre Schaeffer. Yep. Donc, un travail qui a été fait par Pierre Schaeffer environ en 1966. Et qui consiste à par l'exemple, à comprendre ce qu'est un objet sonore, justement, ce qu'on appelle le son. Essayer de décortiquer ça, comprendre ça. Donc, si vous voulez suivre mieux cette émission, c'est mieux d'avoir vu le volet numéro 1. C'est pas faux. Qui est sur la chaîne YouTube Insomnie. Donc, pas du tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi, explique-moi. Alors, dis-moi. Je vais aller sur... Sur ça? Voilà. Non, ici. Ah, voilà, il faut faire un copier-coller. Voilà, hop, on va ça. Le mettre là. Voilà. Ctrl V, dis-moi, je serai tes mains si tu veux. Comme voilà. Je suis plus près du bitonio, sera donc plus voilà, simple. Solfège de l'objet sonore qu'on a fait donc le mois dernier, aussi avec Laurent. Et puis peut-être pour commencer, installez-vous tranquillement. Et puis on va peut-être essayer de voir où on en était rendu. On était rendu à ce concept de masse. Ouais, il y avait deux notions qui avaient été dégagées qui étaient pas mal intéressantes. Donc, on a écouté les premiers thèmes, les premiers, comment il appelle ça? Il a donné un nom, c'est des thèmes de réflexion. Ouais, c'est ça, les thèmes de réflexion. Donc, dans les grands thèmes de réflexion qui ont été présentés la dernière fois, il y a des propositions qui sont faites par Schaeffer pour définir toute la gamme des. Comment on pourrait dire ça? On pourrait dire des opérateurs de distinction, des caractéristiques, toute la typologie de son objet sonore, pour voir en quoi c'est un mode plus intéressant, plus précis, plus ajusté aux musiques contemporaines que le solfège, pour décrire la musique, les états du son, enfin pour y intégrer en fait tous les états du son. Et d'ailleurs, petit à petit, on voit qu'il déconstruit tous les... Toutes nos évidences de solfège qu'on va appeler classique, à savoir qu'est-ce que la durée, la fréquence, le timbre. Il a beaucoup parlé du timbre, il me semble. Dans cette... On Ouais. avait fait donc la première partie qui s'appelle donc la première partie qui est premier thème. Le premier thème, donc réflexion, corrélation entre spectre et hauteur. Donc il avait beaucoup parlé de ça, les hauteurs. Et donc on voit qu'il déconstruit des choses qui nous semblent naturelles. Alors il fait deux choses. Il les déconstruit comme habitude sociale, mais surtout ce qu'il faisait là, avant de déconstruire quoi que ce soit, c'est pour pouvoir nous permettre de déconstruire nos usages, il dissèque le son comme matière pour renverser un peu les attendus des relations au son. Le truc était marrant, par exemple, il avait provoqué une grande surprise chez nous en filtrant dans des séries de sons. Alors, il y avait des sons très simples, ce qu'on appelle des ondes pures, des ondes électroniques, mais il y avait aussi des instruments très très timbrés, donc il y avait un basson, il y avait un piano, etc. Et il avait provoqué notre surprise en filtrant la fondamentale, donc on pourrait se dire la fondamentale dans un son richement timbré, ça va être juste la hauteur elle-même réduite à son strict minimum. Donc ce serait, on pourrait dire, le représentant, le signe acoustique le plus pur de la note jouée, et en fait pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'en démantibulant à divers endroits de ce qu'on appelle les degrés, donc vous voyez la grande étendue des degrés, vous pouvez appeler ça les gammes si vous voulez, enfin toute cette infinie variété, enfin, oui. Pas vraiment infini, parce que notre oreille ne peut pas capter tout le spectre, mais ils ont du plus grave au plus aigu, sur toute cette étendue qui compose le jeu possible d'un instrument, mais au fond, toutes les hauteurs qu'on peut attendre d'un son. Il nous a montré que selon la hauteur où se plaçaient ces sons, ça n'affectait pas du tout le son de la même manière quand on commençait à le filtrer. Il utilisait ce qu'on appelle des filtres passe-bande, hein, qui permettent donc de dégager à l'intérieur de la masse du son certaines des fréquences du spectre qu'il constitue. Comme une sorte de tamis, finalement. C'est ça, il utilisait une espèce de tamis sonore, c'est complètement ça. Donc c'est des fils qu'on utilise encore énormément hein, quand on fait de la musique acousmatique, ou même tout simplement quand on fait du mixage, quand on calibre un son, quand on travaille en studio. Et il s'était amusé à filtrer la fondamentale des sons graves, donc si vous voulez, le do du do,
en quelque sorte, et de tous les instruments. Et la découverte était bizarre, c'est que cette disparition de la fondamentale dans certains endroits de ces échelles, de ces degrés, de ces hauteurs de son, ne l'altérait pas. C'est-à-dire que si vous enleviez la fréquence fondamentale d'une note grave d'un piano, d'une note grave de basson, vous entendiez encore et encore. Alors que quand vous le faisiez sur des aigus, c'était pas pareil. Ça pouvait même atteindre des effets complètement bouleversants. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que la fréquence nominale, la fréquence par laquelle on nomme une note, elle ne dépend pas de la présence physique de la fondamentale dans le spectre du Ça son veut qui dire est que émis. l'oreille reconstruit ou c'est un phénomène acoustique, c'est-à-dire que quand il y a toutes les autres notes, on entend cette note C'est ça. fondamentale. C'est une propriété de notre oreille ou une propriété du son lui-même? Non, ça peut pas être une propriété du son au sens où ce qu'est un son, c'est une onde mécanique. Elle va pas changer fondamentalement. On n'a pas d'accès, si tu veux, à ce son autrement que par le filtre de notre Oui, donc interprétation ça veut dire auditive. c'est Donc ça, les l'interprétation, oui. couper comme notion, ça n'a pas vraiment de sens. Oui, pour l'image, je ne l'aurais pas fait, c'est vrai, c'est idiot. Ouais, c'est trop perturbant. On a pris l'habitude par métonymie d'appeler son, non pas le processus physique de l'onde, mais ce que nous en Nous en percevons. On va percevons. rester plutôt sur cette notion-là, Ouais. parce que c'est dans ce domaine Pour qu'on parle. l'image aussi, quand on parle d'image, on parle de ce qu'on en perçoit. Ben, l'image pose plus de problèmes encore que D'accord. le son, parce OK. que l'image a une valeur nominale qui est aussi littéraire. Et elle n'est pas distinguable dans l'histoire des images, finalement, de ce qu'on en a fait pour penser l'image plastique. Donc c'est complètement inextricable. Donc le domaine du son, je dirais, il est plus pur dans l'approche que le monde de D'accord, l'image, ok. qui est tellement extrêmement intriqué. Et ce serait un sacré bordel si on voulait. Alors, ce qui était intéressant dans la démarche de Pierre Schaeffer, c'est aussi qu'on est dans des années où les musiques électro sont là depuis quelque temps déjà, mais pas tellement passées, elles sont pas encore populaires, on va dire, à ce moment-là. Et de faire cette démarche de créer cet objet, ce solfège des objets sonores, donc qui a écouté, et qui est accompagné du traité des objets sonores, qui lui est un livre qui l'accompagne. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est le son qui accompagne, comme pour la méthode A6000, quoi. C'est ça, ouais. Ou Il est. certains livres de solfège de l'époque où il y avait des disques, du vinyle qui accompagnaient le texte. Là, c'est le cas. Il y avait D'accord. plusieurs vinyles. Il y avait un coffret de vinyle qui pouvait accompagner ça. Le bouquin s'appelle pas Le solfège des objets sonores. Il s'appelle Le traité des objets musicaux. Ah, objets musicaux, d'accord. Ouais. Le terme d'objet sonore va se développer peu à peu pour essayer de définir un petit peu. Quand on dit objet, c'est vraiment au sens de l'objet d'étude. C'est le truc qu'on va isoler, qu'on va capter comme notion à étudier, à comprendre et à manipuler. Donc, pour bien lire, faut le découpler complètement de l'objet comme chose qui produit le son. C'est pas du tout ça, hein, c'est bien du son lui-même dont il est question quand on parle d'objet sonore. C'est assez important d'avoir ça en tête. Est-ce que d'ailleurs, ce serait pas judicieux de lire tout de suite le chapitre qui s'appelle Objets sonores dans le traité des objets Si, musicaux? on peut complètement faire ça. Salut à toi, Joseph. Ce que je voulais dire par Bonsoir. rapport au truc qui était assez intéressant, c'est qu'il y a eu deux bouleversements. Alors, il nous a amené, avant d'arriver à ça, pour que vous soyez vraiment dans le contexte du dernier, il y avait le concept de masse que tu évoquais. Ce serait peut-être bien de dire ce que c'est. Alors, Oui. la masse, vraiment, c'est un paramètre supplémentaire qu'il ajoute à la consistance du son, parce que nous, on est habitué à y assigner la fréquence, la La longueur d'onde, hauteur. l'intensité, le timbre. Quand on parle d'instrument de musique, on va beaucoup parler du timbre, mais il y rajoute la masse qui a quand même une valeur assez intéressante, c'est que qu'elle soit tonique, qu'elle soit complexe, qu'elle soit ponctuelle ou qu'elle soit diffuse, qu'elle soit en corrélation avec un spectre harmonique ou enchevêtré, formé d'une ou d'une infinité de fréquences. La masse, c'est une perception musicale qui rend compte de la contexture harmonique d'un objet. Et c'est important de penser à cette contexture harmonique parce que quand il faisait ces petits bricolages pour couper des fréquences, c'est il nous mettait en présence de ce que cette contexture harmonique pouvait maintenir de la sensation de hauteur, même si on lui enlevait ce qu'on croyait être sa sous-squelette. On lui enlevait sa fondamentale et dans un cas, ça changeait rien du tout dans les basses, mais par contre, si vous faisiez ça sur les C'est les aigus, aigus, ouais. ça les octaviait. C'est ça. C'est-à-dire, ça les faisait passer à l'octave Ouais, supérieure. Et c'est ça, c'était étrange quand même une ça. sacrée surprise. Et je voulais parler de ça Ouais. justement, c'est que Pierre Schaeffer fait quelque chose de très intéressant, c'est que
Il utilise ses connaissances électroniques de coupure du son, c'est-à-dire cette pratique assez nouvelle finalement de découper des bandes et de filtrer des sons électroniques. Il les utilise pour nous apporter des savoirs. Des savoirs contemporains sur le son et qui vont servir ou que utilisent déjà les compositeurs. Et c'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas ces possibilités techniques simplement. Alors, de filtrer le son, de le découper, comme ça, d'enlever l'attaque d'un son, on ne pouvait pas le faire l'existence de ces moyens électroniques. Alors, avant l'existence des moyens électroniques, non, mais en fait, ils ne sont pas tout jeunes. Tu le sais bien, tu es bien placé pour le savoir puisque tu as enseigné chez Marteneau. Tu sais que les instruments électroniques, à proprement parler, ils ne sont pas si jeunes. Moi, je vais vous faire écouter des pièces pionnières de la musique électronique. Je vais notamment vous faire écouter une pièce de Johanna Magdalena Beyer, qui est une pièce de 1938. Bon, moi, je ne l'aime pas beaucoup, je ne la trouve pas très intéressante, cette pièce. Mais c'est normal. Mais elle est pionnière. Elle est balbutiante, cette pièce. Elle a plein de défauts, mais c'est assez émouvant d'écouter une pièce de 38 qui a déjà l'avantage. On avait pensé, Marteneau, quand il pensait les ondes Marteneau, c'était pas pour faire des solos, c'était pour les intégrer à l'orchestre. La pièce de Johanna Beyer, elle est également pensée pour être intégrée à l'orchestre. Et ce qui est intéressant avec Marteneau, c'est que lui aussi, il a utilisé son instrument, les ondes Marteneau, pour des raisons aussi solfégiques, c'est-à-dire qu'il faisait entendre des huitièmes de ton et des choses comme ça à ses élèves grâce à l'instrument. Il utilisait les propriétés de l'instrument qu'il avait fabriqué pour aussi... non seulement modifier le son, mais les timbres et tout ça, parce que dans l'onde Marteneau, j'en avais parlé une autre fois quand j'avais parlé de Marteneau, on pouvait modifier les timbres, mais on avait aussi des harmoniques, possibles avec une harpe harmonique qui était mise sur certaines ondes, mais on pouvait aussi utiliser d'autres modes de vibrato, et on pouvait également découper le son de façon beaucoup plus fine qu'avant. Donc il y avait déjà des prémices de tout ça. Ouais, il y a des prémices. Mais ce qui va évidemment changer, c'est que... Tu vois, Johanna Beyer, c'est une musicienne, c'est une pianiste. Et ouais, bien sûr, il y a le Theremin juste après, d'ailleurs, oui. Joseph, tu as raison. Mais qui va d'ailleurs balayer les ondes Marteneau. Et puis oui. Après, il y aura une succession comme ça. C'est quasiment contemporain. Oui, c'est quasiment contemporain, mais le Theremin va gagner d'une certaine façon. Et puis juste après, il y aura le synthé qui va éliminer tout ça. Très peu de temps après. Très peu de temps après, ce seront malheureusement des inventions qui sont très fugaces, quoi. Très peu de compositeurs ont utilisé. Elles sont fugaces parce que très rapidement, elles vont s'améliorer. Elles vont très vite enchaîner. L'idée est là depuis un moment, pour dire clairement que Marteneau est hyper pionnier. Mais au fond, ce désir-là, il est, comme j'ai dit l'autre fois, le désir existe avant les objets. C'est ça. Et c'est pour ça que les objets naissent. Toute l'histoire de l'art, elle est ponctuée de cette réalité. C'est pas les artistes qui s'emparent des techniques, c'est des conneries. Les gens qui croient ça ne comprennent rien à la construction historique de l'art, qui est tout à fait le contraire. Il y a des exigences qui sont posées par des visions, et s'il y a une demande à cause de ces visions, alors la technique suit. Donc ce que je voulais dire, c'est que quand même, Schaeffer, grâce à la technique, du coup, peut nous montrer des choses, mais que les compositeurs utilisent déjà. Mais c'est parce que lui, il pense en compositeur. On ne peut pas distinguer les deux, parce que même si on pense le caractère liminal du boulot de Schaeffer comme celui d'un technicien, il ne faut pas oublier que c'est une réalité qui est propre à quasiment tous les acousmates. Bernard Parmigiani, il a aussi été, il a été au service du cinéma des armées, il a été ingénieur du son à la RTF, donc à la radio-télévision française, c'est-à-dire que du coup, c'est là et dans ces conditions-là qu'il a rencontré Pierre Schaeffer. Beaucoup de ces gens ont été des techniciens, même Khalim Eldab, que je vous ferai écouter tout à l'heure, au début des années 40, il est dans des studios des radios, il est technicien, il a une formation de technicien aussi. Mais c'est que... Là où ça change complètement et ça va renverser le paradigme, c'est que c'est des techniciens qui pensent en compositeur. C'est ça. Alors du coup, la question c'est, est-ce que si Schaeffer n'avait pas été compositeur, il aurait créé ce solfège des objets sonores en tant que juste un pédagogue? Non, ça n'avait pas de sens, non, ça n'aurait pas eu de sens. Okay. Alors c'est pas un compositeur, j'ai dit la dernière fois, qui me semble bouleversant et fondamental, mais ces pièces sont émouvantes parce qu'elles sont c'est des pièces très très comment dire très précoces dans l'histoire des musiques concrètes et ensuite des musiques électroniques. Faut bien, d'ailleurs, ce serait bien de ne pas mélanger tout ça. Le solfège des objets sonores n'est pas à proprement parler destiné à pencher la musique électronique. Disons D'accord. plutôt que les musiques électroniques répondent à des questionnements qui sont en jeu également dans les musiques qu'on voit appeler musique concrète. Mais elles y répondent d'une toute autre manière, c'est-à-dire que
c'est pratiquement les deux faces d'une même médaille. Tu as d'un côté un rapport qu'on va appeler rapport à la bande, un rapport à l'enregistrement. Par exemple, Michel Sion, qui a été longtemps assistant des Schaeffers, qui était aussi au service de la recherche à l'ORTF, que je vous ferai écouter tout à l'heure, et il était réalisateur des émissions de télé, des émissions de radio du GRM, qui s'occupait des publications de l'INA. Bien, lui, il a un rapport à la musique concrète qui est très, très premier, c'est-à-dire qu'il en parle comme, de la musique concrète comme cet art des sons fixés, et qui est fixé essentiellement sur une espèce de continuum important qui est prise de son, support, écoute. Donc il intègre à la fois la captation du micro et à l'autre bout de la chaîne, la pensée des enceintes. La pensée des enceintes, elle est centrale dans ces dispositifs, elle l'est dans les musiques concrètes et dans les musiques électroniques. Ben ça, tu l'as vu chez Martenot, tu parles de ces espèces de palmes vibratiles, donc ça, c'est vraiment la pensée de la diffusion, et d'une certaine manière, c'est les mêmes... du son et tout ça. C'est les mêmes problèmes que penser une enceinte, penser les vibrations d'une membrane pour restituer le son, c'est les mêmes problématiques, enfin c'est la même problématique, parce que ce sont les mêmes problèmes, et les musiques électroniques visent finalement... C'est le retroussement du problème. T'as d'un côté cette musique concrète pour laquelle il est évident que toute source sonore est un potentiel à restituer avec lequel on peut travailler. C'est ça, il faut la pensée de la restitution est princeps dans ce monde-là. Disons, la pensée... Ce n'est pas toujours le cas pour d'autres musiques. C'est la pensée désinstrumentalisante. Tu vois, c'est l'idée que toute source de son... est possiblement une source de composition. La musique électronique, elle vise aussi à faire disparaître la notion d'instrument, mais en prétendant s'y substituer totalement. C'est le contraire, il y a une seule source. D'un côté, tu as le monde entier des sources sonores qui est capté par la prise de son, qui est susceptible d'être réarrangée. Et l'autre, là, l'idée, à un certain moment, que sur la base des mêmes recherches, à savoir le dégagement des propriétés physiques du son, donc une pensée analogique, une fois qu'on a dégagé les caractéristiques du son, par la synthèse, le synthétiseur, on va pouvoir imiter tout. Donc on n'aura plus besoin d'instrumentarium. Ah oui. Là où on voit bien que dans l'invention des nouveaux instruments, par exemple la viole de gamme que je connais bien, mais après le violoncelle, etc., on a quand même cette idée d'imiter la voix humaine, remplacer la voix humaine. Et là, on a l'idée de remplacer tous les instruments. C'est ça. C'est l'idée, c'est moins l'idée de les remplacer que l'idée de les réduire à leurs principes fondamentaux. C'est ça, les concentrer d'une certaine façon dans un le plus petit dénominateur commun peut-être ou quelque chose comme ça. On regarde le son comme un ensemble de propriétés, que ce soit le son d'un instrument, le son d'un objet, etc. Et la synthèse s'imagine susceptible dans ce cas de les émettre et de les assembler autrement. Quand Schaeffer, la dernière fois, s'amusait donc à, tu vois, enlever la fondamentale des notes d'un piano, d'un basson, etc., il était déjà dans une certaine pensée de la musique électronique. Par un principe de réduction, il atteignait à un endroit du son qui était pris dans cette pensée que tu peux avoir du son, qui est ses propriétés physiques, et donc le potentiel qu'il y a à dégager et réorganiser ses propriétés physiques. On va voir dans la suite du solfège des options d'or qui va continuer à faire ça, tailler... C'est ça, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là que je voulais en venir un petit peu, c'est qu'il utilise la matière qu'il connaît, c'est-à-dire découper les bandes, les filtrer, il utilise vraiment ce matériel qui est très spécifique à ce courant-là de pensée du son, finalement. Ben, c'est-à-dire une matière sonore, il y a en genèse aussi la possibilité que la composition soit assujettie à d'autres domaines que celui des écritures auxquelles on est habitué. C'est pour ça qu'il appelle ça un solfège. C'est-à-dire qu'au lieu de faire sortir la question de l'imagination musicale, une sorte de ex nihilo poétique, ou alors des usages très calibrés, la musique tonale avec ses usages, etc. Les règles de composition, l'harmonie, etc. L'harmonie, qui ont plus ou moins disparu pour les compositeurs à l'époque où ils bossent. On est dans les années 60, on a dit 66 pour le traité des objets musicaux. La musique des années 60, tu vois, il y a Fluxus, il y a donc effectivement, il y a des musiques expérimentales de tout poil. Ça fait longtemps qu'on a quitté les rails. Ça fait longtemps, très longtemps. Il y a déjà John Cage. La musique sérieuse,
laquelle elle est arrivée à son acmé dans ces années-là, en incluant jusqu'à la démesure dans la série toutes les propriétés possibles du son. Donc s'il donne une musique très aride, très complexe à écrire, de plus en plus folle, bon, ça va être très vite abandonné. C'est la mort dans les années 60, hein, la musique trop contraignant, trop de contraintes finalement. Peut-être. Bah, il y a une espèce de folie furieuse de l'emprise, mais de l'écriture. Parce qu'il y a des modèles, il faut vraiment suivre ces modèles, et c'est presque trop mathématique, d'une certaine façon. Donc on peut épuiser les choses. On peut l'épuiser. Il y a un côté surmathématisé, ça c'est indéniable. Ça fait vraiment partie de ce qui arrive à ce moment-là à la musique sérielle. Et on voit aussi l'impasse à laquelle ça conduit les compositeurs, c'est que ils ont perdu le point de contact avec le timbre, par exemple, oui, qui est devenu, enfin qui est intégré à la série. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on arrive à un moment où la notion de l'attaque et la texture du son vont être soumis finalement à des variations très séquencées. C'est-à-dire une espèce de discrétisation maximum. Alors, c'est marrant qu'avec finalement une pensée lointaine mais voisine, Schaeffer finalement il discrétise aussi. Il va chercher les propriétés du son. Mais on sent qu'il le dit dès le début, dans les premières réflexions, le timbre c'est quand même une zone de recherche hyper importante pour lui. C'est un naturaliste du son. C'est ça qu'on Donc comprend. Donc il est complètement à l'opposé du coup de ce point de vue-là. Il est à l'opposé. Il est plus proche, finalement, des premières expériences de John Cage, qui est déjà un peu contaminé par la musique zen, donc il laisse rentrer dans sa musique une notion fondamentale, qui est l'écoute. L'écoute qui va bouleverser la musique jusqu'aux travaux de la Reinemann sur l'écoute, qui sont les plus importants depuis quelques décennies sur la question de l'écoute. Il est plutôt dans cette optique-là. Et il a un rapport à l'objet sonore, justement, qui a un mode de réinvestissement de la question de l'écriture depuis le son lui-même. Chose que les acousmaticiens, donc on parlera un peu de la musique acousmatique, mais là on va juste rapidement dire que le terme acousmatique, je le rappelle, il a été choisi parce qu'il vient de Pythagore, qui faisait sortir le discours d'une espèce de néant visuel pour pas contaminer la philosophie avec des sensations inutiles, pour essayer de l'isoler complètement. Le son dit acousmatique, c'est un son qui est coupé de son origine, de sa cause, etc. On désolidarise le son de sa cause. Okay. Donc on oublie la gestuelle musicale, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'objet sonore, c'est-à-dire le son qui est produit, ses caractéristiques, sa granularité, sa masse, etc. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus comment j'en suis arrivé là. L'acousmatique. Ouais, je parlais de la musique acousmatique. Elle va, ce rapport-là au son, il va aussi faire naître une école électronique qui aura le même type d'approche, c'est-à-dire, au fond, la construction dans la durée, qu'on va appeler partition d'une certaine manière, du son, va être déterminée également par la richesse infinie du timbre, dès lors que justement on est dans ce type de relation un peu phénoménologique au son. J'ai l'impression que Pierre Schaeffer nous disait dans cette première partie, dans ses premières réflexions, que le timbre était quand même une chose qui était régulièrement oubliée dans notre rapport au son et que c'était une des composantes les plus importantes. J'ai eu cette impression. Bah, elle est fondamentale pour lui parce qu'il se rend compte que, je ne sais pas si tu te souviens, dans les premiers exercices d'écoute, il faisait jouer la même hauteur par trois instruments différents. Il commence par là, en fait. C'est pour ça que je dis que pour lui, ça a l'air d'avoir une importance vraiment fondamentale. Il nous dit comment, au fond, voilà ce qu'il ne dit pas, mais ce qu'il attend de nous, c'est qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose d'un peu dément. Et d'un peu inévident à penser que c'est... Et complètement inévident que l'on accepte la hauteur comme unité caractéristique pour des productions sonores qui sont si radicalement différentes que ce qu'on est en train d'écouter. On est en train d'écouter le do grave d'un basson, celui d'un piano, puis celui d'une flûte, ensuite une onde pure. Et on se dit, mais c'est quoi vraiment le rapport ? On va vraiment accepter que la hauteur, c'est ça qui va décider l'organisation. C'est là qu'il nous montre à quel point c'est une construction. Et j'ai l'impression que tout le long de solfège de l'objet sonore, il va nous montrer à quel point les choses sont inévidentes et que c'est pas une évidence d'entendre telle hauteur, que c'est pas une évidence d'entendre tel paramètre du son, que les paramètres sont plus mêlés qu'on le croit et qu'ils sont plus liés parfois qu'on le croit, que c'est difficile de les désintriquer comme on le fait habituellement
Et là, il avait commencé par les hauteurs, évidemment, mais je crois qu'il va faire ça avec tous les paramètres du son. Il va déconstruire, pour ça je parlais tout à l'heure de déconstruction, il va déconstruire des choses qui sont construites socialement. C'est ça, et historiquement. Et historiquement. Donc on pourrait, est-ce que, parce que je pense qu'on ne l'avait pas fait l'autre fois, est-ce qu'on peut lire le chapitre dans Traité des objets musicaux, donc, qui est écrit en 66 par Pierre Schaeffer et qui est lié à Solfège de l'objet sonore. Est-ce qu'on peut lire le chapitre qui s'appelle Objet sonore, okay, justement. Tu m'as noté, je crois, c'est le 14.3, ouais, c'est ça. Non, okay. le 15.4. Ah bon? Ah oui, c'est le 15-4. Ouais. Bon, je vais 14-3, chercher ça. C'est autre chose, c'est pour tout d'accord, à l'heure. D'accord, c'est pour tout à l'heure. Alors, je vais vous chercher ça, le 15-4, effectivement, l'objet sonore. Je pense que ça va être pas mal d'ouvrir là-dessus. Alors, je pense qu'on ne l'avait pas lu l'autre fois, mais peut-être que ma mémoire est défaillante. Alors, on vous a préparé un petit truc pour que vous puissiez suivre un peu le texte en même temps. Moi, j'aime bien lire en même temps, donc j'ai demandé à Laurent, technicien de ce live. Alors, on va faire ça. Normalement, vous allez voir ça. Hop, vous allez voir la lecture en même temps. Voilà, donc vous allez pouvoir écouter en même temps. Voilà, donc qu'est-ce que l'objet sonore finalement? Alors c'est le 15-4, c'est-à-dire ici. Voilà. Ah, il faut peut-être que je bouge en même temps. Quand tu voudras le bouger, quand je serai en fin de toile, il faudra toucher cette petite flèche. C'est ça, je ferai d'accord ça. Okay. Bon, allez, on y va, c'est parti. Nous en savons maintenant assez pour préciser notre conception de l'objet sonore. Au moment où j'écoute au tourne-disque un bruit de galop, tout comme l'Indien dans la pampa, l'objet que je vise dans le sens très général que nous avons donné au terme, c'est le cheval au galop. C'est par rapport à lui que j'entends le son comme indice, autour de cette unité intentionnelle que s'ordonnent mes diverses impressions auditives. Au moment où j'écoute un discours, je vise des concepts qui me sont transmis par cet intermédiaire. Par rapport à ces concepts signifiés, les sons que j'entends sont des signifiants. On est d'accord, hein, par rapport à ce concept. Ils ne le sont pas absolument, si vous voulez. Dans ces deux cas, il n'y a pas d'objet sonore. Il y a une perception, certes, une expérience auditive, à travers laquelle je vise un autre objet. Donc là, Schaeffer insiste sur le fait que, selon les cadres de l'écoute, vous posez des déterminants importants ou pas. Donc, dans le premier, il se rabat, vous l'avez entendu, sur la notion de Peirce, donc l'indice, hein, dans la théorie du signe de Peirce. Hein. Et dans le second, dans une théorie plus générale du langage. Il y a objet sonore lorsque j'ai accompli à la fois matériellement et spirituellement une réduction plus rigoureuse encore que la réduction acousmatique. Non seulement je m'en tiens aux renseignements fournis par mon oreille, donc matériellement le voile de Pythagore suffirait à m'y obliger, donc là je vous rappelle le voile de Pythagore hein, qui obscurcissait le corps du philosophe qui parle pour ne laisser que la parole, le discours philosophique. Mais ces renseignements ne concernent plus que l'événement sonore lui-même. Je n'essaie plus par son intermédiaire de me renseigner sur autre chose, l'interlocuteur ou sa pensée, c'est le son même que je vise, lui que j'identifie. Bien entendu, cet objet sonore possède les propriétés essentielles des autres objets perçus. Pourquoi, en effet, le son produit par le galop d'un cheval serait-il plus subjectif que le cheval? Tout au plus, faut-il reconnaître que dans le cas du son, la confusion entre l'objet perçu et la perception que j'en ai est plus facile à commettre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le cheval m'apparaît dans une suite d'expériences diverses et concordantes, d'abord auditives, puis audiovisuelles et éventuellement tactiles. S'il ne s'agit plus que du son, je suis privé de tels recoupements. En outre, l'objet sonore s'inscrit dans un temps que je n'ai que trop tendance à confondre avec le temps de ma perception, sans me rendre compte que le temps de l'objet est constitué par un acte de synthèse, sans lequel il n'y aurait pas d'objet sonore, mais juste un flux d'impressions auditives. Enfin, comme il est éphémère, l'expérience que j'en fais reste unique, sans suite. Elle le restait du moins jusqu'à l'enregistrement. C'est là que tout commence. Ouais. Enregistré, l'objet sonore se donnera comme identique à travers les perceptions différentes que j'en aurai à chaque écoute. Il se donnera comme le même, transcendant aux expériences individuelles, dont nous avons souligné les divergences qu'en feront plusieurs observateurs différemment spécialisés, rassemblés autour d'un magnétophone. Et là, on est en vrai dans l'acousmatique. Du coup, on est vraiment dans le projet acousmatique de départ, où
on est privé de la source quasiment, on n'a plus que l'enregistrement comme voix. Oui, complètement. Enfin, comme un recommencement d'une situation. Parce qu'il dit... La répétition, du coup, d'une situation déjà vécue. C'est ça. Oui, mais on peut entendre pour la première fois un enregistrement sans avoir vécu la situation. On pourrait très bien entendre le galop du cheval séparé de l'objet cheval. C'est-à-dire, on ne l'a pas rencontré. Oui, c'est l'idée. Mmh. Mais l'idée qui est plus intéressante encore que celle de ce qui ne serait jamais rien d'autre qu'une seconde première fois possible. Oui, c'est ça, oui. Ou une autre première fois, puisqu'après tout, tu peux être... indifféremment l'auditeur naturel du cheval au galop ou celui qui n'a entendu que cet enregistrement, il y a une première fois. Mais cette première fois, elle n'est pas si intéressante. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la suite. Il se verra comme le même, transcendant aux expériences individuelles. Alors, à mon avis, transcendant aux expériences individuelles, c'est... la formulation me semble malvenue parce que c'est plutôt que de transcender les expériences individuelles, elle leur donne l'opportunité de réexister. C'est ça, on est plus dans, comme la série que tu avais fait de remake, quand tu demandais à des gens de redire un film, on est plus dans cette idée de, on va se ressouvenir à l'écoute du galop de cheval, du galop de cheval. Plus que le souvenir, là c'est vraiment perceptif, c'est que tu vas rééprouver grâce à l'enregistrement une situation sonore qui jusque-là n'existait que dans la fugacité impressive dont il parle, et qui d'un seul coup, isolé de sa cause, est devenu, à proprement parler, cet objet sonore remanipulable, reconductible. Il est devenu une cause lui-même. Il est la cause, effectivement, nouvelle, mais d'expérimentation, de réorganisation du son, avec des propriétés expérimentales qui peuvent être infiniment poursuivies. On a un peu cette même chose quand on filme, en fait, quand on fait une vidéo, on capte un instant, mais c'est à la fois détaché de l'expérience. Il peut être détaché de l'expérience de départ, si tu le montres à quelqu'un d'autre, par exemple, mais par cette personne, il peut être rattaché à d'autres expériences similaires, ou à partir de ce nouvel objet, créer des impressions nouvelles. C'est-à-dire être aussi la cause de nouvelles triturations de l'objet, quoi. Ouais, avec la reconduction également de ce nouveau pli de l'expérience. Ce qui compte, c'est de bien comprendre que détaché, tout simplement, cet objet jouit d'une situation singulière et particulière, c'est d'être organisable en dépit de sa cause. Tu vois, oui, ça, c'est intéressant. Émotionnellement, c'est effectivement. C'est pour ça que je disais qu'il accomplit le projet acousmatique, mais il le redouble. Enfin, plus que le doubler, c'est presque de l'acousmatique au carré, parce que non seulement le philosophe est caché, enfin, en tout cas, l'objet de départ est caché, il n'est plus apparent, l'objet qui a créé la cause, on est devant l'enregistrement, mais en plus, cet objet est réutilisé, peut être réutilisé comme source lui-même. De l'objet de départ. C'est ce qu'il est, c'est un objet. C'est comme si prenait la place du philosophe, pour le coup, qui parle. C'est. Non, c'est un nouvel objet. C'est un nouvel objet, oui, mais il l'occulte, je veux dire. Il y a double. Pour moi, il y a deux fois occulté, peut-être je me trompe, mais. Non, il ne l'occulte pas à proprement parler. Il rencontre une expérience vivante qui a eu lieu. Mais ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant. C'est le côté ça, pas intéressant. Tout le monde dira ça, oui. Parce que sinon, c'est le caractère connotatif. C'est pas que le souvenir, ça. Ça n'a pas d'intérêt. C'est pas intéressant. Surtout, on y perd complètement l'intérêt de l'objet sonore. Parce que c'est confondre la connotation et la matérialité. C'est-à-dire que si tu rattaches encore de façon affective cet objet à sa cause, tu as raté le coche de sa capacité à être un objet sonore. Oui. Il n'est plus là. C'est complètement détaché, quoi. Oui, sinon il n'est plus là que pour reconvoquer une image, un souvenir, etc. Et ça, musicalement, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est juste du documentaire, on s'en fout un peu. Ouais, du documentaire sonore, dans ce cas-là, pourquoi pas, oui, mais c'est encore un autre problème qu'impressif. Dans le documentaire, ça a une fonction articulaire et politique, mais c'est sûr que ça reste connotatif. Alors, bien, évidemment, des documentaristes qui font attention à la nature et à la granularité de leur matériel, mais on sent que ce qui est premier pour justifier du montage, ça va être l'organisation des énoncés, la capacité connotative à reconvoquer du sens. Alors que, évidemment, ce qui intéresse l'acousmatique, c'est vraiment, c'est foutu comment ce son, quoi. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique propre ? Quel est son objet, quoi. C'est ça. Quelle est sa texture ? Quel est son grain ? Complètement détaché de son origine. Ouais, c'est ça. Complètement. Alors, mais en quoi se distingue-t-il alors du signal physique ? N'est-ce pas en effet au son lui-même, indépendamment des renseignements que celui-ci pourrait donner
sur autre chose que s'intéresse l'acousticien. C'est que le signal physique, en réalité, n'est pas sonore si nous entendons par là ce qui est saisi par l'oreille. Il est l'objet de la physique des milieux élastiques. Ah, ce dont je parlais tout à l'heure. C'est différent, c'est autre différent. Chose. Ouais. Exactement. Sa définition est relative aux normes, au système de référence de celle-ci. Cette science étant elle-même fondée, comme toute physique, sur la perception de certaines grandeurs. Ici, déplacement, vitesse, pression. Il fait bien de le rappeler, parce que les acousticiens, à vrai dire, quand ils travaillent à dégager les propriétés physiques du son, ils ont plutôt tendance à se tenir le plus loin possible des granularités complexes. Ils travaillent beaucoup avec des ondes pures, et ils travaillent surtout avec des signaux qui leur permettent réellement d'évaluer les intensités qui les intéressent. Ouais, c'est un travail de laboratoire, et du coup très épuré et très mathématique. On est pur, on est pur pour pouvoir atteindre un peu l'objet. Bah oui, pour comprendre, il faut enlever beaucoup de contexte finalement. Mais complètement. Ah ouais. La gauche-mate, il est plutôt intéressé par le grain, tu c'est vois. C'est ça. C'est-à-dire, on pourrait dire que l'objet liminal, l'objet de base, l'objet... fondamental de la couche mat, c'est le bruit blanc. Oui, c'est ça. Qui contient tout. D'ailleurs, si vous avez celui vu de l'acousticien, c'est l'onde pure. Si vous avez vu le premier épisode, on a eu le droit au bruit blanc, évidemment, et on a même eu droit à la superposition d'un bruit blanc sur un son. Traité de la même façon un bruit blanc et un son. C'était pas mal. Comme nous l'avons vu au chapitre 8, bon, nous, on ne l'a pas vu au chapitre 8, puisqu'on n'en est pas là, on est au chapitre 15-4 et je ne vous ai pas lu les 15 précédents. Hein. Comme nous l'avons vu au chapitre 8, l'acousticien vise en fait deux objets. L'objet sonore qu'il écoute et le signal qu'il mesure. Victime de l'erreur de perspective dénoncée au paragraphe précédent, qui voit dans le monde extérieur l'origine des perceptions, il ne lui reste plus qu'à poser le signal physique au départ, considérer l'audition comme son résultat. Et l'objet sonore comme une apparence subjective. C'est bien en effet le schéma qu'il accepte implicitement lorsqu'il applique directement à celui-ci les renseignements recueillis sur celui-là, croyant ainsi approcher davantage le réel. Il oublie que c'est l'objet sonore, le donné dans la perception, qui désigne le signal à étudier, et qu'il ne saurait donc être question de le reconstruire à partir du signal. La preuve en est qu'il n'y a aucun principe physique qui lui permettent non seulement de distinguer, mais d'avoir l'idée des trois sons do, mi, sol contenus et mélangés dans quelques centimètres de bande magnétique. Il reste à constater que la décision d'écouter un objet sonore, sans autre propos que de mieux entendre et d'en entendre davantage à chaque écoute, c'est plus facile à énoncer qu'à mettre en pratique. Ouais, ça va être un de ses chevaux de bataille, je pense. La plupart du temps, on l'a vu, mon écoute vise autre chose. Et je n'entends que des indices ou des signes. Même si je me tourne vers l'objet sonore, mon écoute restera dans un premier stade une écoute par référence. Autrement dit, j'aurais beau m'intéresser au son lui-même, je resterai tout d'abord incapable de dire autre chose que de ce son, c'est exactement ce dont je parle, de ce son que c'est le galop d'un cheval, c'est une porte qui grince, c'est un si bémol de clarinette, c'est 920 périodes par seconde, ou c'est allô allô. On en est vraiment à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au régime connotatif qu'il faut savoir quitter. Ouais. Plus je serais devenu habile à interpréter des indices sonores, plus j'aurais de mal à entendre des objets. Mieux je comprendrais un langage, plus j'aurais de mal à ouïr. Relativement à ces écoutes par référence, l'écoute de l'objet sonore oblige donc à une prise de conscience. Quelles sont les perceptions dont j'ai tiré ces indices ? Alors, une fois que c'est copé de son origine, on est libre d'une certaine façon. On d'écouter. Est censé l'être, mais on n'est pas parce qu'on est des créatures sociales. On va approcher, on va tenter le coup. On essaye d'approcher ça. Oui. On va tenter le coup. Comment décrire sur un plan purement sonore un galop ? Qu'ai-je entendu au juste ? Il me faut revenir à l'expérience auditive, ressaisir mes impressions, pour retrouver à travers elle des renseignements sur l'objet sonore et non plus sur le cheval. C'est ce qui pourrait faire croire que le solfège est tourné vers la subjectivité. En réalité, il s'agit d'un retour aux sources, à l'expérience originaire, comme disait Husserl, qui est rendue nécessaire par un changement d'objet. Avant qu'un nouvel entraînement me soit possible et que puisse s'élaborer un autre système de référence approprié à l'objet sonore, cette fois, je devrais me libérer du conditionnement créé par mes habitudes antérieures passées par l'épreuve de l'époque. Il s'agit nullement d'un retour à la nature. Rien ne nous est plus naturel que d'obéir à un conditionnement. Il s'agit d'un effort antinaturel pour apercevoir ce qui précédemment
déterminer la conscience à son insu. Oui, c'est ça, sa déconstruction. Et donc l'époque, c'est quoi l'époque? J'ai oublié. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder sur Internet. Oui, bien sûr, j'ai complètement oublié. Alors, il faut que je coupe ton... Que fais-tu? Demande-moi ça. Plutôt, ça va. Alors, être je te demande, vas-y, ouais, coupe, voilà. Mieux. Et est-ce que tu peux aller voir ce que c'est l'époque? Bien sûr. À moins que quelqu'un soit là, dispo. Bah oui, j'ai oublié. Hop, voilà. Et pourquoi on ne voit pas le navigateur, là? Qu'est-ce qui t'arrive, Coco? Ah, tu l'as peut-être pas mis... Bah si, il devrait être là. Tu l'avais mis devant, mais il est barré. Bah c'est bizarre, ça. Ça, c'est les morceaux. Mais il est passé où, le navigateur? On a perdu notre navigateur. Bon, on va vous montrer ça. Je ne sais pas pourquoi il a disparu, ce con. Bah alors, mon vieux. Ben voilà, te voilà, pourquoi t'avais disparu, Nigo. Voilà. Bon, alors, l'époque, c'est quoi? J'ai complètement oublié. Que dis-tu, Joseph Cap? C'est marrant, c'était idée d'expérience originelle. On n'a aucune idée de ce qu'est en fait l'expérience originelle. Ben oui. Eh ben, on n'en a aucune idée et je crois que... On ne peut pas l'atteindre quand on cherche à l'atteindre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'aporie hein, dans ce que nous propose. Donc, c'est la suspension du jugement, philo. J'avais complètement oublié ce qu'était l'époque. Ouais, c'est ça. Arrêt, interruption, cessation en philosophie. Et par la suite, en psychanalyse, ce terme désigne la suspension du jugement. Voilà. Donc, voilà. Le principe même du doute philosophique. Dans la phrase, je devrais me libérer du conditionnement créé par mes habitudes antérieures, passé par l'épreuve de l'époque. Donc, il faut suspendre son jugement lorsqu'on est devant un son, finalement, pour vraiment l'entendre, enfin, vraiment l'écouter, finalement. Ouais, mais évidemment, on n'arrivera pas à cette idée d'expérience originelle, puisque précisément, l'expérience originelle est soluble dans l'expérience originelle. Puisqu'elle a eu lieu, elle ne peut pas être reconvoquée comme expérience. Elle ne peut pas être reconduite, et même par l'enregistrement. Elle est fondamentalement inconnaissable. Mm-mm. Voilà. Ouais, tout à fait. Eh bien, je vous propose de commencer à écouter... Donc, je ne sais pas si on en avait parlé l'autre fois, mais c'est tout à fait trouvable, hein, le solfège de l'objet sonore. Donc, il y a 3 CD, hein, 3, ouais. Qui est donc aussi téléchargeable, trouvable. Sur Soulseek, par exemple, voilà. Je vous mets l'adresse. Voilà, pas enfin, très... Enfin, je vous mets le nom du logiciel, trouvez-vous voilà. Ça si vous ne l'avez pas encore. Quant à traiter des objets musicaux, on l'a trouvé en e-pub, sans trop de difficultés. T'as eu du mal un petit peu quand même. Ok. Bon, si jamais vous le trouvez vraiment pas, on peut peut-être mettre un lien ou on peut le mettre quelque part. Vous m'écrivez en MP. Voilà. Il y a moyen. Vous inquiétez pas. Et on y va. Donc allez, tu peux lancer le... Alors ça va être une suite de sons, on va pas s'arrêter au premier je pense parce que ce sont des... Il y a beaucoup d'exemples et je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas l'autre fois, c'est que ça ne dure que quelques... Chaque son ne dure que quelques secondes, donc parfois c'est toute une série de sons avec qu'il faut écouter à la suite. Alors le deuxième thème c'est... Durée et information, alors que le premier thème était corrélation entre spectre et hauteur. Donc il continue à déconstruire... On est parti. On y va. Vous me dites hein, si le son... Deuxième thème de réflexion, durée et information. Nous allons confronter à présent le temps des chronomètres et la durée des objets musicaux. Disons bien vite que si le solfège enseigne que toutes les blanches sont égales, les compositeurs se préoccupent du contenu et font une différence pour ce qui est d'occuper les espacements entre... Attirons l'attention sur l'incidence de l'information sur la durée. Voici un objet musicalement équilibré, or les proportions métriques de ces 3 parties sont en réalité les suivantes. Glissando, tiers du point d'orgue, lui-même, tiers de la tenue. Ajoutons que la mémoire musicale ne retient pas seulement les proportions du temps passé à entendre, mais l'importance de ce qui s'y est passé. Alors, ça c'est intéressant. Ouais. Alors déjà on peut préciser qu'on a entendu donc un son de timbale, un son de violon et un son d'orgue. Et une voix humaine. Et là, pour finir, une voix humaine. Alors, c'est important que vous distinguiez pour comprendre de quoi il va parler. Les moments qu'on a l'habitude de découper dans un son, il a parlé de tenue. Il va en reparler, oui. Exactement. Et il y a la tenue et évidemment ensuite vous avez la chute du son. Il y a l'attaque aussi. Oui, bien attends. Ouais. Pardon.
On va y arriver. Vous avez donc une série de moments. Là, dans la voix humaine, vous l'avez entendu, il y a deux trucs qui sont très distincts, enfin trois trucs qui sont très distincts. Il y a ce corps qui est la tenue, qui est votre corps central. C'est-à-dire, il vous faut un moment pour l'atteindre. Vous pouvez y ajouter une chute, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez avoir une interruption brève. Et vous devez y rajouter sa chute naturelle. Ça veut dire quoi? C'est qu'on n'a pas descendu la cymbale. On avait dit qu'on le faisait, on a oublié de le faire. Je pensais descendre la cymbale, on ne l'a pas fait. Donc, vous allez jusqu'à votre retenue par ce que l'on appelle l'attaque. Vous imaginez, soit c'est une pente lente, vous la montez en soufflant doucement, soit c'est une pente immédiate, vous faites votre attaque brève, comme par exemple sur une percussion. D'où l'intérêt d'avoir la cymbale qui n'est pas là. Ensuite, la tenue pour une cymbale, par exemple, qui n'est pas là, elle est quasiment strictement superposable. Tu peux aller chercher une cymbale à l'attaque. Si tu... Ça prendrait trop de temps. Vous attaquez, la tenue chez le son lui-même, vous avez déjà lâché. Évidemment, vous pouvez tricher, maintenir une tenue par un roulement de maillot. Et vous faites votre tenue. Sans une cymbale qui n'est pas là. Vous pouvez donner une chute, c'est-à-dire faire un décrescendo. Mais ensuite, votre instrument, comme votre voix humaine, comme n'importe quoi, et qui dépend pas que de vous d'ailleurs, mais aussi de l'endroit où vous vous trouvez, il y a une résonance. Voilà. C'est tout à fait autre chose. C'est l'autre partie, hein, de, l'autre partie du son, qui est celle qui se maintient dans la durée une fois que vous avez lâché votre note, que vous l'avez complètement abandonnée. Si j'ai bien compris ce qu'il a dit, je crois qu'il a dit que suivant l'instrument, le type de son, donc le type de timbre aussi qu'on entend, on n'a pas la même impression de tenue et de mort du son. On n'a pas la même impression. Alors, attack, decay, sustain, release. C'est exactement ça. Joseph. Je pensais aller chercher, parce que sur les synthés, c'est évidemment ce à quoi on a affaire. Donc, je pensais, allez-vous chercher ça. Attack, decay. Ouais, sur une courbe de son, parce que quand on est confronté évidemment à un synthé, il vous permet de construire votre courbe sonore. Qu'est-ce que... Tiens, c'est que... Y en a, là par le, sur le côté là, je vois une courbe là. Une courbe sonore, voilà, ça, très bien. Voilà, c'est exactement ça, ce qu'on va vous montrer là. Tout de suite. On va vous montrer ça. Ouais, alors pareil, on va aller chercher le navigateur, mais je veux bien qu'il accepte de montrer l'image. Il veut pas, il nous fait chier. Voilà, très bien, je vous montre ça. Voilà. Là, vous voyez bien comment c'est foutu. Alors, attaque, decay, ce serait votre attaque et votre chute, mais il y a quand même la possibilité, c'est-à-dire le maximum que vous tenez, ensuite, au moment où vous avez lâché, vous avez la tenue qui est, évidemment, ce son que vous maintenez vous-même, la durée du son, et le release, c'est cette fameuse chute naturelle, si vous voulez. Effectivement, j'ai oublié les termes français. À force d'être confronté uniquement à des synthétiseurs, je n'ai plus du tout l'usage, l'habitude du vocabulaire français. Donc, Alors, c'est sûr qu'avec la voix, on peut le maintenir beaucoup plus facilement que, par exemple, certains instruments qui ont une résonance plus ou moins naturelle dans leur environnement et qui ne vont pas dépasser un certain... Ah bah, y a des instruments où tu peux carrément pas avoir de tenue très longue. Oui, soit tu arrives au bout de ton souffle, soit tu arrives à la longueur maximum de ton archet. Enfin, tu vas atteindre assez vite cette espèce de... Enfin, la tenue. Et après, bah, y a la résonance, le release. Mm-hmm. Donc, c'est quand tu abandonnes. Oui, quand tu lâches l'archet, il y a une résonance de la corde. De l'instrument. La vibration de la corde qui continue un petit peu. Ta caisse, ta table qui continue à vibrer un petit peu. Quand c'est une cymbale, c'est très remarquable. Le release est très long. Mm-hmm. Puis, tu as des releases très, très courts quand tu utilises des instruments à faible résonance. Voilà, j'en ai pas en tête. Parce que tous ceux que j'ai en tête sont des instruments qui résonnent beaucoup. Mais par exemple, ma clarinette, une fois la note abandonnée, elle n'a pas une résonance très longue. C'est un pauvre tube de bois. Mais donc, j'ai bien compris qu'il disait que finalement, entre le son de timbale, de violon, d'orgue et de voix, on n'a pas la même sensation de durée des différentes parties. Non, effectivement. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une... Là aussi, il y a de l'interprétation. Là aussi, il y a... C'est-à-dire que notre oreille et notre esprit, finalement, n'est pas mathématique sur ce point-là. Il va penser que quelque chose est plus long suivant le son qu'on écoute. Ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre de ce qu'il disait. Oui, il y a des sensations qui sont très très différentes, notamment sur les attaques, c'est très remarquable. Et puis, il y a aussi des sensations qui sont purement sociales, c'est-à-dire l'écoute, c'est un comportement social devant le son. Mm-hmm. C'est intéressant de le penser en ces termes, parce que ça veut dire que ce qu'on pourrait prendre pour un simple phénomène sonore qu'on entend ou pas, est largement déterminé par l'écoute.
On se rend compte quand on joue à plusieurs, quand tu joues avec des rockers ou avec des musiciens contemporains, leur relation à la chute de notes est très différente. Pour un rocker, le silence commence très tôt. En gros, dès qu'il a lâché sa corde, il appelle ça du silence. Pour un musicien qui a l'habitude de travailler sur des instruments de toutes sortes ou des objets, c'est quand il n'y a plus le moindre son qui dit ça y est, le silence est atteint. Parce qu'il écoute énormément la release. C'est des usages qui représentent à des endroits symboliques finalement la fonction et la valeur de ce qui est joué et qui ne pensent pas pareil à quelque chose qui a plus à voir avec un système qu'avec une réalité physique. Parce que je pensais par exemple au clavecin. Quand tu joues du clavecin, moi je me souviens qu'au début, quand j'entendais le clavecin, j'entendais clac 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 clac. J'entendais que les attaques, en fait, j'entendais que le bruit de la touche. Et le son me paraissait tellement court par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, bah, je sais pas, sur un piano, un orgue ou toutes sortes de. Un orgue, par exemple, on a un très long son. Eh bien, au clavecin, on a cette impression de ce tac qui est tout de suite suivi d'une note et c'est fini. Y a pas, donc il faut multiplier, il n'y a pas de résonance, il faut multiplier les notes à l'intérieur des notes pour, faut faire plein de diminutions pour avoir une impression de continuité finalement. Et c'est ce que font les clavecinistes. En fait, tout l'art du clavecin, c'est de remplir entre les notes finalement pour c'est pour ça que chaque claveciniste va le faire avec sa à cette c'est ça sa composition, il va toujours composer pour qu'il y ait pas d'interruption de son, d'avoir une continue comme une basse continue mais qui est alimentée en permanence parce qu'il n'y a pas de résonance du tout. Et moi je me souviens que j'entendais que un bruit de machine à écrire, j'entendais clac 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 clac. Maintenant je l'entends plus. Mais autrefois, quand j'écoutais des violoncellistes, j'entendais juste les gens respirer. J'entendais comme ça parce que les violoncellistes respirent en jouant. Et j'entendais plus que l'attaque ou autre. J'entendais pas l'instrument, mais la personne qui jouait, quoi. Donc on peut aussi se focaliser quand on ne connaît pas, par exemple. Là, je parle de quelqu'un qui est novice en musique, comme je l'ai été il n'y a pas si longtemps finalement. Eh bien, tu ne vas pas te focaliser sur la même chose. Tu ne vas pas te focaliser forcément sur la note ou sur l'instrument. Tu vas entendre d'autres choses tu n'entends plus après. C'est des approches qui peuvent être, elles aussi, qui sont largement sociales, parce que l'idée qu'un clavecin est une grande résonance, c'est une idée qui est pensée par certains compositeurs dès le XVIe siècle. Il y a un compositeur qui joue beaucoup avec la note retenue et qui laisse de grands espaces avant de reprendre, c'est Jean de Mac. Et effectivement, ça a beau être un compositeur du XVIe, tu as des pièces qui sont très très étonnantes, où tu as ta petite note migration qui est jouée, et tu es appelé à l'écoute. Ah oui, tu parlais de l'autre jour, tu me ouais. Pointais l'avant-garde du passé, c'est ça? Ah oui, c'est ça, oui. Et ça, j'en parlerai longuement dans le live sur la musique atonale et la conférence de Ducrot. Mais effectivement, j'y aborderai ces questions, c'est qu'il y a vraiment des compositeurs qui, très tôt, ont compté sur l'écoute pour se substituer à l'usage. C'est-à-dire faire de cette retenue de la note au moment où elle meurt le moment d'appel de l'écoute, parce que vous n'aurez rien d'autre pendant un certain moment. Et donc jouer avec cette dynamique finalement d'une pression et dépression du son. Alors en fait, il nous a déjà pas mal alimenté de réflexion. On va continuer. Donc on en était au glissando vocal. Ouais. Prenons des exemples plus simples encore. Un son dissymétrique est marqué pour une partie par l'entretien et pour l'autre partie par la résonance. Alors ça, on a les mots français, le sustain c'est l'entretien, le release c'est la résonance. Ah, moi j'ai un petit problème, je ne sais pas vous dans le chat, mais moi j'entends très très peu, c'est très bas pour moi. D'accord, moi j'entends à peine. Comment c'est possible? Je ne sais pas, je suis à fond je crois, ou alors je suis au minimum. Non, je suis à fond. Là tu es à fond. Ouais, je suis obligée de tendre l'oreille. Ah ben regarde, t'es quoi? Éteinte. Ah, en douille. Éteinte? Comment ça éteinte? Mais t'es éteinte depuis le début. Ah bon, mon casque s'allume. Ça va être très fort là, je te préviens. Ah d'accord, pardon. On se doute que la phase d'entretien est notablement plus courte que la phase de résonance. Ça, c'est pareil. A-t-on évalué qu'elle vient d'être ici 20 fois plus courte?
un groupe d'auditeurs a trouvé entretien et résonance bien équilibré dans les deux sons que voici. Attends, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'entends pas. Allons bon, qu'est-ce que... Je suis à fond et j'entends pas. Attends, je vais regarder ça. Tu as des problèmes techniques, toi. Alors, bon, ça. Ah oui, là, c'est très fort. A-t-on évalué qu'elle vient d'être... Alors, qu'est-ce qu'il a, ce casque? Qu'est-ce qu'il a? Pourtant, il est à fond, là. Ouais, il a... Bon, écoute, on va faire un truc. Tu vas te choper un autre casque, parce que là, effectivement, il y a un problème que je ne m'explique pas. Mais tu l'avais quand même éteint. C'est ça qui était marrant. Mais ça, c'est juste le micro, non? Qui allume et éteint, non? Ouais, bah du coup... Alors, je vais chercher... Vas-y, continue, mais je vais chercher un autre. Je vais pas continuer. On va reprendre. Le son est très bon, dit Joseph. Ah, oui, moi aussi, je le trouve très, très bon. C'est mon casque, alors. C'est ton casque qui déconne. Bon, pourquoi il a été testé il n'y a pas longtemps. Donc, on va lui remettre son petit casque. On va lui mettre un autre casque que celui-là. Je suis vraiment désolé. Donc, on a la résonance pour release, donc on a dit, et l'entretien. Ouais. Voilà. J'étais embêtée parce que je n'arrivais pas. Ah, par contre, ça va être très fort pour moi maintenant. Je ne sais pas. Sans doute, tu vas morfler, cocotte. Mais t'as pas le choix. J'étais obligée de le mettre à côté de mes oreilles. Celui-ci, ceci dit, tu peux baisser le volume dessus. Non. Hein. Comment ça, non? Non. Ça ne marche pas. Non, ça, c'est fait pour un téléphone portable. Ah, d'accord. Alors, tu vas souffrir. Non, je vais le mettre à côté. Allez, on réécoute ça. A-t-on évalué qu'elle vient d'être ici 20 fois plus courte? Un groupe d'auditeurs a trouvé entretien et résonance bien équilibré dans les deux sons que voici. En fait, la phase d'entretien y est 3 fois plus courte que la phase de résonance. Appréciation évidemment fragile et dépendant au plus haut point de l'orientation de l'attention de l'auditeur. Une écoute moins spontanée pourra être plus métrique que musicale, surtout si le son est passé au ralenti. Puis d'autre part, on voit qu'il y a un rapport culturel à l'instrument. C'est que par exemple, quand on travaille sur... j'évoquais la cymbale, qui n'est pas là. Quand j'évoquais la cymbale, clairement, si vous jouez assez fort, c'est avec une forte intensité, la nuance entre l'entretien... Et la résonance, elle est saisissable si on connaît parfaitement cet instrument. En vérité, ils sont très largement entremêlés, parce que tout simplement, quand vous faites un entretien, vous produisez de la résonance. C'est elle ça. A déjà commencé. C'est-à-dire à quel moment savoir où commence la résonance et où s'arrête l'entretien. Pareil sur un violoncelle, si tu commences si tu regardes pas la personne qui est en train de jouer, tu vois pas à quel moment elle va lâcher la corde et où va commencer la résonance. Tu vas pas vraiment percevoir, je pense, la différence. D'ailleurs, au violoncelle, on apprend à faire des retours d'archet pour entretenir un son. Et normalement, il faut pas qu'on l'entende. Ce qui est très compliqué, d'ailleurs. Mais la sympathie hérite des propriétés résonantes continues d'un instrument de musique. Ah, oui. La vibration en sympathie de cordes double, par exemple. Sur les instruments, orbe, par exemple. Plein d'instruments, effectivement, qui doublent. Bon, dans le monde entier, il existe des instruments où des cordes vibrent en sympathie, de l'Extrême-Orient jusqu'à l'Amérique latine. Donc des cordes qui sont les mêmes, mais qui ne sont pas jouées, qui sont juste là pour résonner. Ça, ouais. Voilà. Elles ne font que résonner, elles ne sont pas proprement parlées jouées. Et c'est un dispositif qui jouit de ses propriétés de résonance continue. Et avec des instruments aussi qui ont l'air très simples, très rudimentaires comme les cymbales, on oublie que, en fait, ce sont des instruments d'une richesse texturale absolument incroyable et de propriétés résonantes qui permettent une très très grande variété de jeux, et notamment. Alors peut-être très faiblement sur la sensation de hauteur, mais tout le reste est sur une cymbale, enfin, faiblement, mais ça dépend de votre jeu, vous pouvez quand même pas mal varier à l'intérieur de votre jeu, mais par contre vous avez une étendue assez dingue sur toutes les autres propriétés du son. Mais la suite peut-être ? Ah oui, là, on s'en rend compte. Ouais. Sait-on aussi que le temps musical n'est pas réversible et que des appréciations en durée changent du tout au tout, suivant que la causalité explique tout dès le début ou que, rejeté à la fin, on l'attend comme un suspense. Écoutons les 7 sons dissymétriques qui figurent au chapitre 14 du traité des objets musicaux. Alors, oui, il y a l'attente. Alors là, on est encore dans quelque chose de social qui vient interférer là. C'est qu'on est dans...
dans l'attente de quelque chose. Quand on connaît la cause, c'est pareil. Quand on n'est pas coupé de l'origine, finalement, eh bien, on n'entend pas de la même façon. C'est ce dont je parlais tout à l'heure par rapport au clavecin, par exemple, où je n'entendais que l'attaque, finalement, que ce qui n'était pas du son. Enfin, c'est un son, mais tout ce qui n'était pas des notes, finalement. Oui. Donc là, Laurent va nous lire... parce que là, Pierre Schaeffer va nous parler les sept sons dissymétriques du chapitre 14 du traité. Donc, on va lire le traité d'abord. Tu y es ? Ah ben, très bien. Oui, je l'ai mis pour que tu tout puisses... Tout va bien. Ouais. Pour que moi, j'ai du mal à t'entendre. Tu n'as qu'à meubler. Non, ça y est, je l'ai. Ah, blablabla. Blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. L'expérience de sept sons dissymétriques. Voilà, on y va. Alors... Il s'agit de l'expérience réalisée en 1959, dont nous avons donné un compte-rendu dans le numéro 17 des Grafsteiner Blätter, donc un article, j'imagine, écrit à l'époque par Schaeffer. Certes, les exemples sonores que nous avons proposés gagneraient à être plus simples. D'accord. Bon, susceptibles de se prêter à une observation plus systématique. C'est d'autant plus marrant en lisant le bouquin qu'on ne sait pas du tout de quoi il parle. Hein. Mais c'est marrant. Il va parler d'un son. Alors, parler d'un son comme expérience, c'est quand même assez marrant. Hein. Ouais. Et, c'est du niveau dessiner une odeur, quoi. C'est un ouais. peu compliqué. Quoi. Là, c'est plus dur que de décrire une image, finalement. On est dans... Ouais. C'est vrai que le lien entre image et littérature est plus proche que oui. entre son et littéraire. C'est presque incommunicable, en fait, l'expérience sonore. Mais c'est parce qu'on l'a... C'est aussi social, c'est des constructions sociales aussi, j'imagine. C'est ce que j'allais dire, on l'a maintenu dans ouais. ce statut. La cohésion entre image et discours, elle est affirmée comme paradigme dès l'Antiquité. Ah ouais, c'est dans ça. Sa poésie, Horace, le fameux Ut pictura poesis, c'est lié. Il fonde cette cohésion, et on pourrait dire que tout le système métaphysique platonicien postule un corrélat entre énoncé, discours, idées et représentations, figures, images, concrétions, notamment parce que ces idées sont des formes. Et de tout ça, on va construire une histoire de l'art assez savante qui ne va pas cesser d'entremêler images et discours et énoncé. Ouais. C'est d'autant plus marrant qu'au fond, en termes de vocabulaire commun, les images ont beaucoup plus de vocabulaire commun avec la musique qu'avec la philosophie. On parle de hauteur, on parle d'intensité, on parle de valeur, on parle de contraste, on parle des deux dans le monde de l'image et dans le monde de la musique. Et pourtant, c'est bien au discours que l'image est subordonnée et ces deux-là font leur vie ensemble. La musique a été détachée de tout ça, notamment dans l'Occident chrétien, donc c'est un fait volontaire, à cause de la place mais tout simplement théurgique et théologique que l'on lui assigne. Ouais. Tu vois, on lui assigne réellement, dès le départ, une espèce de résonance spirituelle. Spirituelle, cosmologique. Voilà, ouais. spécifique. Elle appartient à un autre plan. C'est lié au cosmos, mais aussi aux mathématiques, dès le départ. Non, pour Joseph, c'est aussi difficile de décrire une couleur. Mais non, parce qu'on peut toujours se rattraper aux branches de l'analogie. C'est-à-dire rapprocher la couleur d'une série d'objets dont chacun reconnaîtra la couleur. Cette incapacité, tu vois, à produire des analogies convaincantes et rapides pour parler du son, c'est très médiocre, ça ne marche pas très bien. Ce que je voulais dire, c'est que pour la musique, on voit plutôt dans les habitudes, dans la pratique, une musique accompagnant la parole. Par exemple, la poésie est accompagnée de musique, et puis dans énormément de pays, en Afrique par exemple, on va jouer de la kora pendant qu'on discute. Il y a un accompagnement musical de la parole, c'est une espèce de complémentarité, mais par contre, une parole qui dit la musique, c'est beaucoup plus rare. Ben, on ne l'a pas développé. On ne l'a pas développé. Non. Mais je repense à cette jeune autiste qui fait des vidéos et dont j'oublie malheureusement toujours le nom, mais peut-être toi tu vas te souvenir, et qui a fait toute une vidéo sur le fait qu'elle ne comprend pas pourquoi il nous est si difficile à nous autres non-autistes de ne pas distinguer facilement les notes alors qu'on distingue facilement les couleurs. Pour elle, par exemple, c'est une évidence. Elle reconnaît partout, aussi bien un si bémol que nous, la couleur rouge. Pour elle, c'est aussi évident, puisque, et elle dit, je ne comprends pas, puisque une source vibratoire. Enfin, il y a quelque chose de commun. Il y a une source vibratoire qu'on perçoit avec un de nos organes, et pourtant,
Et pourtant, vous avez du mal à décrire, vous n'avez pas l'oreille absolue d'une certaine façon, alors que vous savez reconnaître une couleur. Bon, après, c'est vrai que ton rouge n'est pas forcément mon rouge. Oui, je n'emploie pas le terme de rouge. Hein, oui. Tu vois. C'est comme, ça. Comme je suis plasticien, oui. Je caractérise toujours les rouges. Je n'ai pas un rouge. Je n'ai pas marron. Ça n'existe pas dans ma bouche. Non, quoi. Mais ton rouge bleu qui ne sera peut-être pas le même chez moi et chez toi. Ça va être... Ça dépend de nos perceptions. Quoi. C'est un apprentissage aussi. Quoi. Ça va être décrit, ça va être précisé. Parce qu'en fait, on apprend telle couleur est rouge brique. Toi, tu vas apprendre telle couleur est rouge brique et moi aussi. Et on ne verra pas forcément la même couleur. Est-ce que c'est le cas aussi pour les sons? La voix ou coulanum, en fait, c'est deux problèmes distincts. Donc là, on va rentrer dans une conversation compliquée. Et ce n'est pas le sujet. Là, on va rentrer dans des trucs extrêmement compliqués. Si tu entends un si bémol et moi un si bémol, ça se trouve, on n'entend pas la même non plus. Compliqué. Compliqué, ok. Joseph dit d'écrire une couleur à un aveugle. Oui, bon, là, évidemment, ça devient effectivement aussi un aveugle compliqué. De naissance, oui, c'est très ça complexe. Ça va être compliqué. Ouais. Alors qu'un aveugle, enfin, quelqu'un qui est devenu aveugle, il y a une mémoire des couleurs, une construction, une association entre la couleur et la perception n'a pas un aveugle de naissance non plus. Il pourra produire l'illusion d'une convocation de souvenirs, mais je... C'est très compliqué. Quand on a travaillé avec des sourds, et notamment quand on travaille avec des sourds profonds, de leur expliquer, on essaie de leur faire vivre des expériences musicales. C'est compliqué pour quelqu'un qui est sourd profond de l'expérience musicale. On peut passer par la vibration de l'instrument. Mais ouais, c'est un instrument, peu convaincant. C'est peu convaincant d'essayer. Il faut vraiment quelque chose qui... C'est à cymbale, d'ailleurs, qui réussissait presque le mieux. Ouais, la plupart vivaient ça comme une expérience déplaisante, quand même. C'est ça. Pas très intéressant. Pas très agréable et pas très intéressante. Voilà. Les sons musicaux traditionnels ne relevant guère que de deux types temporels bien distincts. Le son soutenu et la percussion-résonance. On s'est efforcé, pour rester en pays connu, de réaliser des sons composites comportant une phase de percussion allant jusqu'à l'entretien et une phase de résonance plus ou moins prolongée. Bon, le piano est idéal pour faire ça. Hein. Il peut faire tout ça. Vous avez l'attaque. Si vous maintenez votre doigt, vous avez un entretien. En fait, quand on maintient le doigt fort, plus ou moins. Le relâchez, vous avez votre résonance. Il y a une très grande résonance dans un piano. En plus, il y a une pédale. Et en plus, oui, on peut, par une légère vibration du doigt... qui fait très légèrement vibrer la maillotche sur la corde, on peut obtenir une sorte d'entretien supplémentaire de la note. Oui, mais il y a la, sans y a faire aussi de sédation. Il y a la pédale qui, elle, agit sur la résonance. Ouais. Et évidemment, si on lâche ça la pédale... Ça joue sur est-ce qu'on étouffe pas le son. Ouais. Alors, ces deux parties du son se distinguaient nettement à la fois par des qualités différentes et par l'évidence de deux factures distinctes. Aucune équivoque possible, par conséquent, dans l'appréciation des durées respectives de l'entretien et de la résonance. Donc l'entretien, vous entretenez votre son, et la résonance, vous le lâchez, et c'est son abandon, sa disparition, sa chute, sa mort. La première correspondait par exemple au frottement d'un stylet sur une tôle, la seconde à la résonance de cette même tôle libérée de l'excitation. Donc quand vous avez arrêté de la frotter avec un stylet, ou avec un archer, ce que vous voulez. On demandait alors aux auditeurs comparer en durée ces deux phases du phénomène, essayer d'apprécier leur importance temporelle l'une par rapport à l'autre. Ceci, bien entendu, dans les conditions de l'acousmatique. Écoute de la bande enregistrée sans autre renseignement. Voilà. Donc on ne voit pas ce qu'on... Oui, on ne voit pas. Voilà. Indépendamment de toute mesure chronométrique ou bathygraphique. Ne me demandez pas ce que signifie bathygraphique. Je n'en ai pas la moindre idée. Donc, notre lecteur pourra se reporter à la figure 17 pour apercevoir quoi, à votre avis ? Les bathygrammes. Les bathygrammes correspondants. Donc, on va chercher tout à l'heure quand même ce que sont les bathygrammes pour essayer d'éclairer. Figure 17, elle doit être quelque part dans le bouquin. J'ai peut-être ça quelque part. Je ne sais pas si j'ai des figures à la fin. On peut regarder. Alors, attends. Est-ce qu'il y a des figures à la fin ? Ce ne serait pas dans le chapitre lui-même, il n'y a pas. Alors, post-scriptum, la musique, ta-ta-ta... Est-ce qu'on a des... Non, c'est juste le post-scriptum. On n'a pas de... Objet, réduction, structure, la recherche musicale, solfège, non. Non, il n'y a pas de... d'iconographie, là. Copyright, dédicace, situation. Non, il n'y a pas. Je suis désolé. Il va falloir vous concentrer de ça. Bon, on va peut-être chercher tout à l'heure un bathygramme. Un bathygramme, déjà, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Les sons 1 et 2 sont des percussions suivies de résonance. Les sons 3, 4 et 5 sont des grincements entretenus de façon de plus en plus progressive mais brève, et suivi de résonance. Les sons 6 et 7 sont marqués par des entretiens quasi permanents, continus pour le son 6,
itératif pour le son 7, et suivi de résonance, silence. Qu'entendent les observateurs ? 1. Pour les deux premiers sons, donc des percussions suivies de résonance, ton, vous lâchez, vous avez juste la résonance, l'appréciation s'avère difficile. L'attaque paraît certes importante, de durée inférieure à la résonance, mais on ne sent pas de commune mesure. Surtout, c'est très difficile de comprendre l'entretien. Alors, la racine grecque de bâti machin, c'est la profondeur, comme pour le bâtiscaf, c'est ça ? Mais dans ce contexte, je ne connais pas non plus. Merci, Joseph. Par contre, pour les sons 3, 4, 5, donc des grincements entretenus, hein, de façon progressive, mais bref, avec la résonance, on peut parler d'une commune mesure. Les durées des phases d'entretien sont plus ou moins équivalentes, semble-t-il, à celles des phases de résonance. Petit 3, pour les sons 6 et 7, donc les sons 6 et 7 marqués par des entretiens quasi permanents, continus pour le son 6, itératifs pour le son 7, ta, 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 donc ils s'enchaînent, quoi, et suivi donc de résonance, silence. Donc pour ces sons-là, la durée d'entretien semble nettement supérieure aux durées de résonance qui les suivent. Parallèlement à ces évaluations de la perception, quelle est en temps physique la répartition effective des mêmes phases ? Quelle est la réalité ? Eh bien, pour les deux premiers sons, le phénomène d'attaque est quasi instantané pour le son 1, attaque simple, et pour le son 2, double attaque à intervalle de 40 millisecondes, ces sons durent respectivement jusqu'à l'extinction des résonances, 1,5 secondes et 3 secondes environ. Grosse résonance. Pour les sons 3, 4, 5, la phase d'entretien dure respectivement 250 millisecondes, 200 millisecondes, 300 millisecondes, tandis que la durée des sons entiers est de 1,5 à 3 secondes. Pour le son 6, la durée de l'entretien est d'environ un tiers de celle de la résonance. Pour le 7, la durée de la pulsation d'entretien est légèrement supérieure à celle de la résonance. Donc là, ils ont essayé de produire une sorte de symétrie pour ce son 7. Cette expérience met en relief les résultats suivants. Une attaque dont la durée est inférieure au seuil de 50 millisecondes, qu'elle soit simple ou double, on s'en fout, n'est pas vraiment appréciable en durée par rapport à la résonance. 2. Dès l'apparition d'événements qui se prolongent au-delà du seuil de perception, l'oreille apprécie des durées, mais en fonction de l'importance des événements énergétiques, donc l'intensité, bien plus qu'en fonction de leur durée métrique réelle. Donc ça change. Donc on voit que les intensités, l'énergie du son, change notre perception. La perception du son, exactement comme dans les chapitres précédents, on a pu voir que selon l'attaque à l'intérieur de la masse du son, donc selon cette masse, selon ce qu'elle est, eh bien, on avait des perceptions différentes de la hauteur. Oui, c'est là qu'on a une intrication de choses qu'on pense séparées. Qu'on a l'impression d'entendre, on a l'impression de pouvoir les discriminer facilement, et ils nous montrent que c'est pas si facile. Ils sont subordonnés. Que certaines choses influencent sur notre perception suivant l'endroit où ça arrive, le moment où ça arrive. C'est ça. Petit 2, dès l'apparition d'événements qui se prolongent, mais en fond, l'oreille a apprécié des durées, mais en fonction de l'importance des événements énergétiques. C'est ainsi qu'elle considère volontiers comme équivalente, dans le son 3, des phases qui, métriquement, sont dans le rapport de 1 quart de seconde à 3 secondes, soit un rapport de 1 à 12. C'est fou. Donc on est complètement paumé. C'est complètement fou. On est nul. On est paumé. On n'est pas des métronomes. On n'est pas des chronomètres, plutôt. Ouais. Ni des bathygrammes, mais ça, on ne sait pas encore ce que c'est. Oui, voilà. Quand on saura ce que c'est, on verra dira à si quel on point est on n'est pas. On n'est pas ça. Petit 3. A fortiori, on ne s'étonne donc pas que dans les exemples 6 et 7, les deux phases étant dans des rapports de 1 tiers et 1, l'oreille considère que la phase d'entretien est bien plus longue que la phase de résonance. C'est normal. C'est ce phénomène de décalage de la durée perçue par rapport au temps physique que nous nommons anamorphose temps-durée. D'accord. Voilà. Okay. On va regarder ce que c'est un bathygramme, si Une anamorphose, si vous ne savez pas ce que c'est, vous voyez ce que ça peut être dans le domaine d'une image, c'est quand vous conservez une grille de relation entre un objet et un autre, mais qu'il y a déformation de la grille et donc déformation de l'objet. Traditionnellement, dans le monde des images, qu'on fait, soit qu'on s'amuse beaucoup, c'est vous poser sur une image pour produire un anamorphisme, une anamorphose, une grille régulière d'un petit carré. Ensuite, sur une autre page, vous dessinez une grille avec exactement le même nombre de carrés, mais complètement difforme, comme un éventail, par exemple. Et ensuite, dans les rapports de proportion, vous essayez de faire un rapport le plus exact possible de cette première image dans la seconde, et la grille va
infléchir à votre image sa déformation complète. Mmh. Voilà. C'est comme ça que, par exemple, dans le tableau Les Ambassadeurs, si on met un objet cylindrique... Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas un crâne en anamorphose dans Les Ambassadeurs. Ouais, mais il n'y a pas du tout besoin d'objet. Ah, on le voit sans objet. On le voit en passant la porte à côté. Parce qu'il est juste complètement déformé. Ah d'accord, donc c'est quand on arrive près du tableau. C'est le contraire. C'est quand on part du tableau. Quand on quitte le tableau, on voit le crâne. Quand on quitte le tableau, on voit un crâne, ouais, d'accord, du coin de l'œil, quoi, ah, parce qu'il est déformé. Mais il y a quand même des images où on doit poser un cercle métallique, par exemple, pour voir l'image de départ. Oui, complètement. On peut regarder ça si ça vous amuse. On va chercher un bathygramme et puis on peut vous montrer une anamorphose si vous ne savez pas ce que c'est. Mais je pense que vous y avez déjà été confronté, même si vous ne connaissiez pas le terme, à mon avis. Vous connaissiez très bien les anamorphoses. Il y en a des très célèbres, il y en a une de Parmigiani qui est quand même très très belle et qui est assez connue. Alors pas Parmigiani évidemment le compositeur, mais le peintre maniériste Florentin. Alors est-ce qu'on a des anamorphoses Tiens, là ça s'en est une là. Oui, bah voilà, une avec cylindre, tout à fait. Voilà, moi, celle-là est bien connue, on voit la une, voilà, là vous voyez, c'est très simple. Ici dans la partie inférieure, vous voyez le dessin anamorphique. Hein, là, et là, le cylindre qui reflète. Hein, donc, c'est facile à faire soi-même. Hein, c'est très facile. Il suffit d'avoir cette grille. Bah, c'est un peu rigoureux. Tu déformes une grille et puis tu fais comme quand on était petit, quand on faisait un agrandissement, tu te rappelles d'une image au petit carreau. Il faut un petit talent. Quoi. Et là, donc, vous voyez cette image. Alors, vous ne la voyez pas parce que il y a la lecture. Et voilà. Voilà, vous voyez ça, donc voilà, on le voit mieux comme ça, la racine grecque, donc bati machin. Alors voyons maintenant ce qu'est un bathygramme. Qu'est-ce que tu es, bathygramme? Alors, déjà, on va essayer de voir ce que c'est, racine grecque en français, on s'en fout, image, à quoi ressemble un bathygramme? Voici un bathygramme. D'accord, alors c'est quoi? C'est la partie supérieure, je suppose. Ah, on n'est pas très très loin des audiogrammes qu'on voyait l'autre fois. Ça ressemble un petit peu quand même. Hein. Alors comment c'est construit Comment est construit un bathygramme? Bon, écoute, vu que DuckDuckGo a décidé de nous faire chier, on va aller voir sur Google qui sera peut-être plus gentil pour nous donner une définition du bathygramme. C'est quand même triste de jamais pouvoir utiliser ce foutu moteur libre. J'essaye, mais... Il ne sert à rien. Je suis désespéré. J'aimerais bien qu'il serve à quelque chose, mais je ne suis jamais content de ce que nous file comme réponse DuckDuckGo. C'est quand même incroyable, ce bordel. En français, on ne trouve rien. Hein. On ne trouve rien non plus. Bon, bah écoute. Cher Amash, on va parler de Mash. Bernard Mash, c'est un très grand compositeur qui a fait partie aussi du IGRM. Hein. Alors, quantification et création musicale. En musique, il y aurait quantification des valeurs discrètes, l'hypothèse de catégorie. Contrôle F, on va chercher dans le texte, voilà. Dans Amorgos, œuvre marine, unité de l'idée, utilisant l'idée de photographie sonore chez Ramache, dans sa partie enregistrée, la quantification rythmique est issue d'une transcription automatique, donc de la partie magnétique. Ah, donc ce serait ça, les bathygrammes, ce seraient des transcriptions automatiques de la partie magnétique d'un enregistrement. Donc c'est très très proche en fait des spectrogrammes qu'on regardait l'autre fois, ouais, non? Oui, c'est ça, oui, je pense que c'est juste une autre technologie pour les produire, mais on est très très proche effectivement de tout ça. Voilà. On a fini la lecture ou pas, par ailleurs? On a fini la lecture, tout à fait. Anamorphose du temps duré. Eh bien oui, voilà. Eh bien, on est reparti. Donc on va maintenant entendre les sons dont il nous a parlé. Donc cette expérience, on va revivre cette expérience finalement. Donc j'y vais. Passons à l'envers ces sept sons. Donc là, on a bien entendu les sept sons dont il parlait. Écrits tout à l'heure. Donc, c'est bien d'avoir eu le texte. Bah oui, ça, on sait comment c'est produit. Ouais, on sait comment il Attends, est-ce que je vous ai mis l'audio du bureau? Vous l'avez entendu ou pas, le bordel? Je vérifie. Et de plus, une continuité apparaîtra d'un son à l'autre qui n'avait pas été perçue dans le discontinu des sons originaux, trop logique. Thank you.
Insistons enfin sur les éléments actifs de mémorisation. Donc c'est là, super on est à l'envers. Il passe à l'envers pour qu'on entende mieux la disparité, la différence entre le sustain et le. C'est ça, entre le comment dire. Soit l'entretien. L'entretien et. Soit la résonance. C'est ça. Mais ce sont des choses, effectivement. Quand vous entretenez une relation à la résonance, vous la considérez comme un signal accidentel, au sens littéral et philosophique de ce terme, c'est-à-dire un événement pas important pour définir le son. Donc on l'abandonne. Ce qui veut dire qu'on la néglige comme réalité sonore. Et c'est seulement pour ce tout petit mouvement super simple, quoi, vous retournez un son, et d'un seul coup, vous découvrez l'ampleur que ce phénomène sonore, ce phénomène acoustique auquel vous y étiez confronté, l'ampleur qu'il a dans la réalité matérielle. Ça veut dire que c'est comme si, même si on n'est pas en présence de l'objet qui crée ce son, comme si on restait attaché au geste. C'est-à-dire à cette idée du geste qui va, à un moment donné, entretenir un son, puis lâcher dans une résonance. C'est comme si ça continuait, que notre esprit continuait à penser le son non détachable d'une origine gestuelle. Et que donc, tout ce qui est... c'est là, que, comme on disait, qu'on ne peut pas distinguer exactement à quel moment on arrête... l'entretien et au moment où commence la résonance. C'est comme si on ne pouvait pas le distinguer quand on l'entend à l'endroit, mais quand on l'entend à l'envers, comme on commence par la conséquence, finalement, on commence par la conséquence plutôt que par la cause, eh bien là, on l'entend complètement différemment. C'est juste le fait. C'est pas tant le fait. Non, complètement, mais y a plusieurs choses. Il n'y a pas que la cause matérielle du son à laquelle nous soyons attachés. Il y a aussi la congruence d'une structure et d'une configuration musicante, c'est-à-dire notre rapport intellectuel, notre rapport de sachant qui écoute de la musique et qui place à des endroits précis de l'attente ou des relations la valeur, au sens vraiment le plus plat de ce terme, du son. Dans un ensemble, la note, la hauteur, ce qui est joué est pris, pas seulement dans un rapport musical, attachement à la cause, tel objet, tel piano tel a produit ça, mais un rapport général, extrêmement culturel, à la musique. Donc on dégage beaucoup de trucs qu'on enlève comme paradis. Mais tu ne crois pas que l'idée de geste, justement, du geste d'entretien, il est comme imprimé en nous, et que c'est ça qu'on pense comme créateur de musique? Non. Je crois pas. Non, c'est. Je pense que clairement, dans la tradition musicale, il est attaché à l'expressivité. C'est bien pour ça qu'on insiste à placer dans un espace un peu à part la notion de geste musical. Et clairement, c'est une notion qui est dans un autre espace, qui est celui d'une certaine théâtralisation de la musique, un certain rapport quasi romantique avec la notion d'intensité. On ne le place pas dans le même endroit qu'on place l'écriture et la structure du morceau et les choses comme ça. C'est des relations différentes, mais elles sont prises dans un tout ensemble. C'est là-dessus que j'insiste bien. C'est que dans la capacité à discriminer et à chasser des éléments qui caractérisent le son, il y a plusieurs stratifications, il y a plusieurs couches. Il y a celle dont tu parles, mais qui n'est pas considérée comme cause musicale. La cause musicale, historiquement, c'est l'écriture musicale, c'est le morceau, c'est le compositeur, c'est tout ce que tu veux. Il y a le musicien... Deuxième chose, mais qui est imbriqué dans cette structure qui est très intellectuelle finalement, même si c'est du rock'n'roll, n'empêche, ce qui préside à cette espèce de relation à la musique, c'est l'idée qu'il y a l'écriture d'un morceau, il a ses règles, il a son organisation. Et ensuite, on y rajoute ce qu'on va placer dans un rapport complètement émotif et affectif, c'est la capacité à savoir faire jouer ce morceau, c'est-à-dire à cesser d'en être simplement l'interprète plat, mais être vraiment l'acteur du morceau, faire de la musique plutôt que juste lire quelque chose. J'ai commis une erreur en disant la cause musicale, mais plutôt la cause du son. C'est-à-dire de penser que l'entretien d'un son est créé par un geste, de quelqu'un qui agit sur une membrane ou qui va agir sur une corde, et que c'est ça finalement qu'on est conditionné à interpréter. J'essaye d'être un peu plus précise dans ce que je voulais dire, et donc pas comme cause musicale mais comme cause du son, c'est-à-dire le geste du musicien, ou de c'est pas forcément un musicien, d'un acteur sur une membrane ou sur quelque chose qui va rentrer en vibration, que c'est ça qu'on est conditionné à entendre. Et c'est pour ça que quand on
passe à l'envers, on n'est pas dans la même attente parce que eh bien ce geste, il vient à la fin. Il n'est pas dans la cause. Il n'y a même plus du tout. C'est-à-dire qu'on le... C'est pour ça que j'ai l'impression que ça fausse notre idée. L'idée qu'on sait, on le sait, qu'un son, il ne vient pas comme ça. Il y a une cause qui va être une attaque. Quelque part, quelque chose va... Même un objet qui tombe. On sait qu'il va y avoir, à un moment donné, c'est, même si personne ne l'a fait tomber, s'il tombe tout seul, eh bien, il y a quelque chose, un événement, d'une certaine façon. Et que c'est ça qui perturbe notre écoute. On écoute en fonction de cet événement. Et c'est ça, la durée. Ça crée une hiérarchie à l'intérieur du son lui-même. Ouais, c'est-à-dire, dans ce que tu décris, tout est placé du côté de l'attaque et de l'entretien. Mm-mm. La résonance est un accident. Oui, c'est ce que tu disais au départ. Même dans le cas où elle occupe les trois quarts de la réalité physique et matérielle du son, en fait, elle est considérée comme négligeable parce qu'elle n'est pas placée symboliquement là où, effectivement, tu as raison, on place habituellement la valeur du son, c'est la chose qui est jouée par le musicien. Ouais. Et donc, la chose qui est jouée par le musicien, c'est ce sur quoi il a un empire. C'est l'agir. Attaque, le fait raison, d'agir. Entretien. Ouais, c'est voilà. Ça. La résonance, bon. On agit sur la chose. C'est ça. Ouais. Et je crois que c'est une vision peut-être anthropocentriste, enfin, je ne sais pas comment dire, mais de penser que... on valorise l'action, finalement. On valorise l'action sur les conséquences de cette action. D'une certaine façon, c'est ça qu'on écoute. Là, pour le coup, c'est un héritage aristotélicien. C'est vraiment l'énargeia qui est placée au-dessus de celle des intensités, celle de la transformation, celle de la praxis et celle de la catharsis. C'est vraiment que des valeurs qui sont un héritage antique, là aussi. Alors, c'est pas l'héritage platonicien. L'héritage platonicien, il a plutôt tendance à toucher la valeur constructive de la musique, mais la valeur expressive telle que nous en parlons, telle que nous avons l'habitude de la considérer, de la décrire, de l'apprécier, etc. Là, c'est plutôt un héritage de tout ce que l'aristotélisme a pu dire des œuvres d'art et du théâtre. Du coup, ça m'interroge d'autant plus sur le fait qu'au début, quand j'écoutais du clavecin, je n'entendais que le son des touches, finalement. C'est ça. Et je n'entendais pas la conséquence du son des touches. Et alors, encore plus bizarre, quand j'écoutais un violoncelliste, je n'entendais que le musicien, c'est-à-dire pas du tout... j'entendais finalement soit le frottement, parfois j'entendais... le frottement sur la corde, c'est-à-dire les attaques, c'est-à-dire avant que le son arrive, et j'entendais énormément le souffle, c'est-à-dire ce qui allait précéder l'action du musicien ou ce qui accompagnait l'action du musicien et l'effort du musicien. Donc j'étais complètement, comme n'étant pas musicienne, j'étais complètement conditionnée, obnubilée par l'action qu'on a sur l'objet et pas sur le résultat finalement de cette action. J'étais donc peut-être aristotélicienne sans le... J'ai pas dit ça. Non, non, mais... C'est pas ce que ça veut dire. J'étais dans cet héritage, en tout cas. Je te parle juste de... En tant que non-musicienne, j'entendais plus les bruits que les... Je sais pas si on peut appeler ça les bruits, mais les... L'attaque, c'est pas mal, l'attaque... Mmh. Bah, tu entendais les circonstances aussi. Tu entendais les signes, finalement, les signes. Tout un univers les de signes. Les signes de l'action. C'est ça. Alors, on a écouté donc à l'envers. Je continue. Dans des objets comme ceux-ci... L'information caractéristique est contenue dans 1 ou 2 dixièmes de leur durée métrique. Voici ses débuts significatifs. Privées de ces éléments, les portions terminales, de beaucoup plus importantes temporellement, sont méconnaissables. En conclusion, nos règles du solfège, sur la valeur des notes, ne s'appliquent que dans une zone privilégiée de sons entretenus et homogènes. Les éléments de forme ou d'information perturbent considérablement leur valeur métrique. On aurait donc tort de se fier au chronomètre et au double décimètre. Et une épure bien calculée n'est pas assurée d'être une partition scientifique. S'il existe une machine à calcul pour calibrer la musique, nous en possédons une, prodigieuse, portative, économique. Messieurs, c'est notre oreille. Messieurs. Messieurs. Il a dit messieurs. Oui, messieurs. Les dames ne sont pas concernées. Il n'en a rien à foutre de toi. Alors donc, on a entendu, juste avant de te répondre, Joseph, on a entendu donc les attaques.
séparés de leurs conséquences et les conséquences séparées de leurs attaques. Et là, il n'y a pas photo. On est en effet, on reconnaît, on voit bien à quoi on s'attache finalement et qu'est-ce qui est reconnaissable par nous. Alors, ça me fait penser à une difficulté quand on commence le montage. On a tendance à couper trop tôt le son. Et exact. Oui. Et même quand tu fais du montage vidéo. C'est ce dont il parle, je pense. Oui, c'est ça. Oui. Montage sonore, mais aussi dans le montage vidéo, on peut reconnaître un débutant parce qu'il n'y a pas ce respect de la mort du son. C'est pour ça que moi qui fais de la musique baroque, j'adore la phrase. Alors, est-ce que c'est Rameau qui l'a dit ? J'ai peur de dire une bêtise, c'est peut-être pas Rameau. Et en tout cas. Et un compositeur baroque très connu a dit en musique baroque, chaque note va en mourant. Chaque note va en mourant. Ouais, il n'a pas pu dire en musique baroque. Non. Mais chaque note va en mourant. Oui, et j'adore cette phrase. C'est-à-dire que quand tu proposes de la musique baroque, chaque note est inégale. Tu n'as jamais deux fois la même note. Elle va jamais être. D'ailleurs, même les croches sont inégales. Toute note doit être différente et toute note va en mourant. C'est-à-dire qu'on doit entendre le début de la note, son apogée et sa fin à chaque fois, tout le temps. Et ça, c'est un travail énorme sur le son et qui a complètement été gommé après. Mais toute cette période de musique, oui, il y avait cette idée d'entretenir la note et la faire mourir et qu'on entende cette mort à chaque fois qu'on entende ce début et cette fin. Je pense que dans le montage vidéo, plus particulièrement... Et aussi que chaque note est destinée à mourir, pardon. La relation est sémantique. Et parce qu'elle est sémantique, elle incline à ne tenir compte que de ce qui est dit. Et ce qui, effectivement, imprime une relation à l'objet sonore qui est complètement conditionnée à la valeur sémantique. Et du coup, on tient peu compte de cette réalité sonore et on peut avoir une tendance à couper court au sens où la chose est dite. Elle est dite, ouais. Mais elle n'est pas dite, absolument. Elle est dite dans un son. Et ne pas en tenir compte, bah, évidemment, c'est passé à côté. Et si on reprend cette idée en musique baroque, et pour que la chose soit réellement dite, il faut qu'on entende sa mort. Il faut qu'on entende la fin. C'est-à-dire l'absence, finalement, de là où elle va. Elle va vers sa disparition. Donc, c'est très intéressant. Nous arrivons au troisième thème de réflexion. Et moi, je proposais à ce moment-là de passer un petit peu de musique. Ouais, on va écouter des trucs, si vous voulez. C'est important d'écouter. Parce que là, Laurent a fait une petite sélection. J'ai fait une petite sélection. De choses qui ne sont pas forcément les choses qu'on aime le plus, mais qui sont historiquement intéressantes ou des jalons importants. Il y a des trucs que j'aime beaucoup, mais il y a des choses que je trouve à la fois... bon, ce n'est pas mauvais, mais c'est pas ouf. Mmh. C'est intéressant d'écouter ça. On peut considérer que cette pièce est assez pionnière de la vraie composition électronique. C'est une pièce de 1938 de Johanna Beyer qui s'appelle Music of the Spheres, la musique des sphères. Ça fait partie d'un opéra qu'elle n'a jamais fini qui s'appelait Statu Quo, je crois. Bref, elle fait ça en 1938 et c'est une œuvre qui est composée donc, pour des instruments électroniques. Et elle est pianiste. Donc c'est intéressant de voir que ça commence pas par un rapport technique, mais donc un rapport beaucoup plus classique de la composition. Et on va écouter ça ensemble, vous allez me dire si ça vous plaît. Alors, je vais couper... Tu vas mettre plusieurs morceaux à la suite ou tu préfères étaler... Comment ? Tu préfères mettre plusieurs morceaux à la suite ou tu préfères étaler dans le J'en ai amené plusieurs, je vais donc vous en faire écouter juste la moitié, on écoutera de l'autre moitié tout ça à l'heure. Très bien, ça me paraît bien. J'en ai 6 morceaux en gros. Donc écoutons. Voilà, c'est juste pour qu'on soit, on va voir les débuts. On va commencer vraiment par les années 50 et après, je vais vous faire écouter d'abord Johanna Beyer, ensuite on va écouter Halim Eldab et on va écouter un petit John Cage de cette période-là. Alors ça serait chouette de mettre les rêves dans le chat pendant qu'on écoute. Tout à fait. Je vais faire ça. D'accord, c'est prévu. Je vais faire ça, très très bien. Donc on va commencer par cette pièce de 1938, c'est quand même barré, hein. Ouais. Essayez de vous plonger dans cette atmosphère et vous dire que cette chose... qui vaut ce qu'elle vaut, a été composée en 1938. C'est pas si mal, quand même.
Voilà. Donc, ça, c'était la petite pièce assez jolie de Anna Beyer. Oui, c'est très joli. Il y a les fondamentaux d'une partie des recherches qui vont être faites sur la musique électronique, sur l'oscillation, la fréquence, les vibrations. Et même de la voix aussi. Hein. Oui, le caractère aussi des modulations extrêmement sensibles de la notion de temps qui quitte complètement cette espèce de segmentation. On quitte le tempo pour aller vers une vraie question du rythme. Donc, c'est là. Oui, il y a la question du timbre aussi qui est travaillée. C'est pas mal. Ouais. Il manque des trucs dans la profondeur de la pièce. Et ça manque de relief, on va dire, non ? Oui, ça manque de structure peut-être. Oui. Peut-être un peu d'intensité, de capacité à aller un peu loin avec ses propriétés. Elle s'est un peu laissée subjuguer par son matériau sonore. Mais il y a une espèce d'onirisme peut-être un peu marqué. Avait entendu un peu dans les musiques spectrales. Ça atteint un degré de science très très fort chez Griset. Mais il y a des pièces de Chelsea qui jouent sur très peu de choses aussi. Comme ça. Il y a une tendance dans les années 30-40 à aller chercher vers là. Notamment parce qu'on écoute pas mal les musiques orientales. Il y a des compositeurs qui ont vraiment de l'oreille pour ces choses-là. Qui sont en train de découvrir cette possibilité musicale qui a été laissé de côté par quelques siècles d'écriture tonale et puis par ce qui en a découlé le plus naturellement l'autre du fois monde. On avait écouté un peu de musique spectrale pour ceux qui veulent se reporter à l'émission précédente. On a écouté un petit peu Griset et puis je sais pas si on a écouté du Tristan Mireille, mais on a écouté du Griset. Alors maintenant, je vais vous passer une petite pièce. J'ai pris que des pièces courtes d'un compositeur que j'aime beaucoup, dont je vous ai un peu parlé. C'est Khalim Eldab, qui est un compositeur égyptien. Ouais, c'est ça. Compositeur égyptien qui a commencé très très tôt à travailler avec des enregistreurs. Il utilisait des enregistreurs, je crois, à bande d'acier. Et il a fait ça dès les années 40. Il a dégoté un enregistreur dans je ne sais plus quel studio de radio au Caire. Il est devenu fondu de cet appareil. Il a commencé à enregistrer plein de trucs. Comme il avait, je crois, un poste qui lui permettait de circuler dans des endroits assez intéressants, il a pu mettre la main, je crois que c'est à l'ambassade des États-Unis au Caire, sur des enregistrements de musique amérindienne, de musique d'Indiens d'Amérique du Nord. Il a travaillé avec ces trucs-là. Non seulement c'est un pionnier de la musique concrète, il a fait des pièces de musique concrète très très tôt. La pièce qu'on va écouter, c'est, je vous ai choisi comment Leila and the Poet, donc Leila et le poète. Sur Leila, il y a plein de choses, il y a les Leila Variation, enfin il a fait beaucoup de choses sur cette figure importante et légendaire, et ça c'est une pièce de 59, donc une pièce quand même assez précoce. C'est quoi cette figure de Leila? Je crois qu'elle fait partie plus ou moins de l'espèce de la tradition islamique dans la légende qui entoure Mahomet. J'ai plus souvenir flou, mais je crois avoir rencontré ce personnage en lisant les versets sataniques qui racontent à sa manière, la vie du prophète. Et c'est un assez joli texte, plus respectueux que ce que les mollahs ont voulu en lire, qui est plutôt un texte assez fascinant, assez riche. Et on y croise plein de figures féminines, notamment, et je crois que c'est tiré de là. J'espère ne pas dire de conneries. Donc, Leila est présent dans les compositions de Khalim Eldab régulièrement. Ça, c'est une pièce précoce sur ce sujet. Leila and the Poet, de 59. Et un homme qui va travailler pas mal aussi avec de la musique électronique. C'est-à-dire qu'il va assez rapidement, il va partir aux États-Unis pendant un moment et pendant ces années-là, il va se mettre assez tôt, dans les années 40 à 60, à la musique électro. Donc c'est un type qui va être pionnier dans énormément de domaines, Khalim Eldab, et notamment dans le montage aussi. C'est-à-dire qu'il va importer des relations, il a la liberté de ton pour aborder les régimes musicaux, les registres musicaux, les sphères sociales dans lesquelles se joue de la musique, que souffrira un mec comme John Zorn ou John Cage, capacité à sauter d'un endroit à un autre sans hiérarchie de valeur, entre musique populaire, pas populaire, ça, il en a rien à foutre, il finira par composer des orchestres de percussion. Lui, il a commencé, il est percussionniste et pianiste, il n'est pas que... c'est intéressant parce que être percussionniste et pianiste, c'est un percussionniste d'un instrument, c'est quoi la derbouka, c'est ça le petit tambour traditionnel égyptien, je sais plus, mais je suis pas moi-même très doué en percussion, donc c'est pas forcément... en train de chercher des choses sur Leila et je trouve rien pour l'instant. Je cherche dans la culture égyptienne et là tu as peut-être trouvé quand même. Qu'est-ce que je disais,
Khalibelda va jouer énormément de va-et-vient comme ça entre les différentes sphères sociales qui produisent de la musique, sans distinction hiérarchique. Et à mon avis, cette double formation percussionniste et pianiste donc, est déjà une articulation de tout ça. C'est-à-dire l'instrument occidental savant par, étouffant de son occidentalité et de sa science, le piano, et à côté de ça, une petite percussion traditionnelle égyptienne. Et il est bon dans les deux, il utilise les deux. Alors, je vous ai amené qu'une pièce, mais il y en a des magnifiques dans ces pièces précoces qui jouent. Dans quoi crois-tu écrire exactement? Tu n'es pas dans le chat, hein, si c'est ce que tu penses. Hein. Non, je suis là. D'accord. Ok. Je me méfie parce qu'il y a des choses qui sont des raccourcis clavier. Il faut faire gaffe. Hein. On pourrait se retrouver à faire n'importe quoi et à lancer des trucs. Et donc, la pièce qu'on va écouter, je vais la lancer. Ça va être simple. Alors, là, par contre, tu as la petite j'ai souris. J'ai dans Wikipédia quelque chose qui peut-être... Ah, alors, Madjoune est là. Ah bah voilà, une histoire d'amour populaire arabe, ça peut être ça. C'est ça, je crois que j'ai trouvé. Je vous lance. On la voit dansant beaucoup, Leïla. On pourra vous dire un peu ce que c'est. I'm sorry.
Voilà. Hop. Allez. Voilà, et on refinit sur ce beau petit filet, filet suraigu, si joli. Donc, alors, c'est... donc, on vous a trouvé l'histoire de quoi ? On vous a trouvé, mais j'allais lire. Oui, ouais. C'est ça. De... Quelle est cette histoire qui est très connue, finalement, dans le monde, dans tout un monde, visiblement, arabe, iranien, turc, afghan, les Kurdes, les Indiens, les Pakistanais et Azeris. Voilà. C'est très connu, visiblement. C'est une... l'histoire d'amour voilà. Exemplaire. Donc voilà. Et nous, on ne connaît pas. Alors, on y va. C'est chouette. Donc, j'étais à côté. C'était pas pris dans l'histoire du prophète Mohammed. Non, pas c'était autre chose. C'est autre chose. C'est une histoire populaire, une histoire d'amour populaire. Il y a bien longtemps. Ah, dans un pays merveilleux, bah certainement. Oui. Le beau Caïs, fils d'une illustre famille de Bédouins, tombe éperdument amoureux de sa cousine Leïla. Le jeune homme est poète et ne peut s'empêcher de chanter son amour à tout vent. Il exprime sans retenue, il doit être un peu casse-couille quand même. Il exprime sans retenue son souhait d'épouser la belle Leïla. Mais chez les Bédouins, il est de tradition que ce soit les pères qui règlent les mariages. Le désir crié par Caïs est une ombre sur leur autorité et ceux-ci refusent cette union. Il se sert de ses poèmes comme d'une arme contre le pouvoir. La famille de Leïla obtient lors du calife la permission de tuer l'arrogant amoureux. Le calife fait venir Leïla pour voir une si grande beauté. Il découvre avec surprise qu'il s'agit d'une jeune femme plutôt maigre, au teint brûlé par le soleil. Il décide alors de faire venir Caïs, on en déduit qu'il ne l'a pas encore zigouillé, et il l'interroge. Bah, « Pourquoi aimes-tu cette femme qui n'a rien d'extraordinaire? Elle est moins belle que la moins belle de mes femmes. » Et Caïs répond « C'est parce que vous n'avez pas mes yeux. Je vois sa beauté, et mon amour pour elle est infini. » La famille de Caïs demande Leïla en mariage contre 50 chamelles, mais le père de Leïla refuse. Caïs perd la raison. Son père l'emmène à la Mecque pour qu'il retrouve ses esprits, mais le jeune homme entend une voix qui lui crie sans cesse le prénom de son amour. Son obsession est telle qu'on l'appelle alors le Majnoun, le fou, le Majnoun de Leïla. Un jour que Majnoun, donc désormais on l'appelle comme ça, allez, hop. Un jour que Majnoun est tranquillement chez lui, rêvant à son amour, comme d'hab, un ami vient le prévenir que Leïla est devant sa porte. Le poète fou a pour seule réponse, dis-lui de passer son chemin, car Leïla m'empêcherait un instant de penser à l'amour de Leïla. Ah, je comprends. Quelque temps plus tard, Leïla se maria et quitta la région. Majnoun partit vivre dans le désert avec les animaux sauvages. Certains prétendirent l'avoir vu manger de l'herbe avec les gazelles. Il va pas bien, ce pauvre Majnoun. Il est fou. Un jour, on découvrit son corps inanimé, protégeant un ultime poème dédié à son amour. Donc, il a préféré son amour à cette femme. Un orgueilleux, en gros. C'est-à-dire, il préfère le poème dédié à Leïla que Leïla elle-même. Ouais. Mais après, c'est parce qu'on lui a refusé au départ. Donc, il a tout reporté son amour sur cette image. Mais au départ, il l'aurait bien épousé, j'imagine. Mais il est un peu autocentré, quand même, non ? Enfin, tu vois, hein, moi, il me semble quand même que c'est quand même un sacré trou du cul, ce Majnoun. Alors, donc, c'est marqué que c'est l'image de l'histoire d'amour impossible. C'est un peu comme Roméo et Juliette chez nous, finalement. Hein. Oui, c'est ça. Alors, on ne sait pas la date. Qu'est-ce que... Ah, d'ailleurs, il parle de Roméo et Juliette. Alors, hein, depuis la nuit des temps, madame. Voilà, la nuit des temps. Non, voilà. Mais... Bon, une des plus connues dans le bassin d'influence, adaptation perse de Nizami date du 12e. Elle a contribué à sa diffusion, mais c'est une adaptation. Il y a plein d'adaptations, voilà, des miniatures du 15e, du 16e. Alors, elle trouverait ses racines chez les Bédouins arabes d'Irak au 7e siècle. Voilà. Bon,
On en sait un peu plus. Voilà, c'est salut. Pas... Salut Lucie. Il est un peu maso, bah, ou alors il est un peu comme Narcisse, c'est-à-dire qu'il il voit la représentation plus que l'objet lui-même. Enfin, il est perdu dans l'amour qu'il a pour cette femme lui paraît plus beau que la femme que ouais. La possession de cette femme. En fait, il est dans cette l'espoir est plus beau que il ou est la déjà souffrance. Possédé. Où la souffrance provoquée par l'objet est plus beau que d'obtenir l'objet lui-même. Sans doute. Ouais. Alors, je vous ai fait écouter donc Johanna Mpeyer, Halim Eldab, et on va rester dans les années 60. C'était beau, hein. C'était moi, bien. Bah oui, moi je connaissais pas. Je trouve ça très beau. Bah, j'adore, j'en ai donc, plein. Donc tu as bien noté Halim Eldab. Voilà, c'est ça. Bah, c'est super bien. Donc c'est les années 60 finalement. Ouais, c'est celle-là, 59. Ouais. Et on va juste l'année d'après pour rester dans cette orbe et pour goûter un peu la musique électronique. Donc, je ne vous ai pas fait écouter de la musique électronique de Halim Eldab parce qu'il fera de la musique électronique après avoir fait de la musique concrète, donc d'accord. Après avoir fait des enregistrements matériels et des trucs comme ça. Mais pour l'instant, on est sur les histoires de bandes, là. Voilà. Ouais. Et là, je vais vous faire écouter un travail de John Cage qui s'appelle Cartridge Music et qui est de la même période, 1960. Alors, on ne va pas l'écouter en entier parce qu'elle dure 20 minutes. Ah oui. Oui, sinon... Ah bah, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça ne marche pas. Ah, c'est début. C'est pas grave. Il ne faut pas avancer. Oui, mais il ne bouge pas du tout, il se passe rien. Ah, je pense que j'ai oublié ça. Ah, t'as oublié de mettre le monitoring de sortie ? C'est ça le... Peut-être marche pas ta... Pourquoi je l'entends pas ? Non, il se passe rien. Et il sort là. Ah. Dites-moi si vous l'entendez. Parce que nous, on l'a pas de retour. Thank you.
Bon, je vous en ai mis que le tiers parce que le morceau est un peu long. C'est un chouette morceau. Alors, Joseph, pour te répondre, on est plus proche de ce qu'on appelait de mon temps musique industrielle. Pas vraiment. Alors, pour plein de raisons. La première, c'est que la musique industrielle de Einstürzt in den Neubauten s'inscrit vraiment dans un mouvement général propre à la fin on va dire des années 70. Qui va effectivement, il y aura un socle culturel commun avec ce que on va créer des gens comme Genesis P. Ridge et ses premières formations expérimentales avec son ami et jusqu'à ce qu'ils fondent Soaring Whistle. C'est-à-dire que Soaring Whistle a beau être composé sur une espèce de socle rock, il est aussi très cultivé de musique savante. Stockhausen va avoir une impression très marquante sur Genesis P. Ridge. Et donc c'est une musique des confins. Mais sa possibilité d'apparaître et sa, on va dire, sa réalité sociale, elle est très propre à l'underground de cette période-là. Et dans les débuts des années 80, des groupes comme Einstürzt in den Neubauten vont représenter. Alors, il y a plusieurs franges, en fait, de cette musique industrielle. Il y en a une qui est vraiment héritière de la frange culturelle, on va dire, de Genesis P. Ridge, qui expérimente sur le son. Il y a une dimension plus politique avec Test Department. Et après, il y a d'autres variations sur le sujet de la musique indus. Mais la musique indus qui va dans les directions d'un certain brutisme, qui prend ses sources dans le brutisme, c'est vraiment dans le cadre pop instauré en quelque sorte par Genesis P. Ridge et cette génération-là de musiciens. C'est pas quelque chose qui vient se connecter à un héritage des musiques savantes, là où, où John Cage est clairement, là aussi, complètement pris dans son temps. John Cage fait partie il est très proche du groupe de Fluxus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une certaine porosité, mais c'est vraiment des périodes assez différentes de l'histoire de la musique. Et même s'il y a des composantes qui sont maintenues comme des fils tendus, faut vraiment regarder Einstürzt in den Neubauten pour ce que c'est-à-dire au fond un groupe de rock'n'roll. C'est-à-dire un groupe qui dévoie les fondamentaux de la sphère sociale à laquelle il appartient. Mmh. On pourrait dire d'une certaine manière qu'Einstürzt in den Neubauten réalise et réussit ce que la musique punk va rater d'une certaine façon. La musique indus, dis-moi si je me trompe, il y a cette idée de machine. Enfin, il n'y avait pas cette idée de machine, de rouage, lié à l'industrie, non ? C'est pas du tout le cas ? Non, c'est vrai. C'est vrai, il y a une partie qui vient là. Alors, il y a une. Il peut y avoir une dimension satirico-politique sur la question de l'industrie. Mmh. Elle est héritière de. Je connais très mal. De la longue tradition brutiste. Bon, la tradition brutiste, elle est un peu longue. Hein. Elle commence avec Russolo et ses pièces brutistes, donc de la période russe révolutionnaire, donc du début du XXe siècle. Donc plutôt des pièces pensées que des pièces jouées. Enfin, c'est une certaine image. Mais l'apparition réelle de la musique brutiste, elle est plus lente. Hein. On peut considérer d'une certaine façon que les propositions faites par Schaeffer ouvrent la voie à un vrai brutisme, une vraie pensée du bruit cette fois-ci, qui vise tout simplement à déconnoter la question du bruit dans la pensée musicale. Mais là, je parle de la musique industrielle. Mais c'est très lié. C'est très lié, d'accord. C'est très, très lié. La musique industrielle, elle est donc plurielle. C'est important, à mon avis, de la rattacher aux propositions de Genesis P. Ridge et de ce qui va se passer avec Soaring Whistle et Psychic TV, parce que tu as un peu tous les fondamentaux qui vont se diffracter dans les différentes tendances des années 80. Ça, c'est politique aussi, non ? Ça peut l'être ou pas. Ouais. On ne peut pas dire qu'Einstürzt in den Neubauten soit un groupe très politique. Par contre, on peut affirmer que clairement, Test Department l'est. Et dans une dimension plus satirico-critique, Laibar peut l'être aussi. C'est plusieurs variations sur le thème, mais toutes sont prises dans le terreau social de la musique pop et de la musique rock. C'est important de le placer dans cet endroit-là. D'accord, c'est pas dans les musiques savantes, c'est pas en lien avec le GRM. Il y a des musiques extrêmement à la fois savantes et matériellement réalisées sur des bandes enregistrées, comme celle de Jean-Marc Vivenza, qui va faire réalité Cerveau Mécanique, et ce genre de musique brutiste, où là on est complètement dans l'industriel, c'est-à-dire que des musiques machiniques qui sont des bandes enregistrées. Il y a déjà au début, tout de suite après les créations, il y a des grands maîtres comme Bianchi, enfin là on pourrait écouter un peu les prémices de cette musique indus et de cette musique brutiste des années 80, avec Mauricio Bianchi et ses contemporains, Stanka Bazin,
pour la version expressionniste, où là, tu as une musique vraiment granuleuse, dégueulasse, très proche finalement d'un point de vue sonore de ça, mais pas du tout proche du point de vue et du désir et de la culture et des idées. Parce que là, Joseph Cave demandait, c'est électronique ou purement matériel, là, les instruments? Là, c'est électronique. Tout ce qu'on vient d'entendre là, dans Cartridge Music, c'est de musique électronique. Si c'était ta question matériellement, on n'utilise pas, comme pour une charge de Neil Boughton, tout ce qui tombe sous la main, en grattant des objets, en triturant sa guitare. Non, là, c'est des bandes. Ouais, c'est ça. C'est des bandes. Ce qui était le cas dans les musiques indus des années 80, même les gens de Test Depth, ils déplaçaient des tonnes de métal sur scène pour taper dessus comme des sourds. C'est ça, il y a quelque chose de très matériel. Très matériel. Ouais. Finalement, on pourrait dire que la source poétique la plus proche de Einstein 2 et des... Et aussi, finalement, des indus politiques, ça reste la tradition expressionniste allemande jusqu'à son achèvement dans l'actionnisme viennois. Et du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une partie expérimentale là-dedans quand tu disais qu'ils déplaçaient beaucoup de métal sur scène et tout, ça veut dire qu'ils n'étaient pas complètement assurés du son qu'ils allaient avoir, j'imagine. Alors que quand tu utilises une bande électronique et que ton son, il est, par définition, il va être le même où que tu sois. Ouais. Il y a la résonance du lieu, évidemment, il y a la... Mais quand tu amènes du matériel sur scène et que tu vas travailler avec ce matériel directement sur scène, là, tu es beaucoup plus dans l'aléatoire et dans l'expérimental de ce que tu vas obtenir. Alors, tel grattement ne va pas être exactement pareil que sur une bande. Sur Zone 2, c'est clair. Sur Zone 2 de Boughton, il y a vraiment cette dimension expérimentale. C'était déjà le cas pour Sir Ben Whistle, puis Psychic TV. C'est moins le cas pour des groupes comme Test Department, qui sont des groupes essentiellement rythmiques, mais au sens vraiment tempo du terme, où le machinisme, c'est le machinisme d'un jeu, donc celui qui est convoqué, c'est d'espèce de brutalité machinique, de musique extrêmement violente et agressive, et d'une certaine façon, ce sur quoi il tape a moins d'importance que la tenue des rythmes, et les nuances ne sont pas si différentes que ça. Il y a des enregistrements qui attestent que même quand le métal est différent, les écarts ne sont pas fous, puisque ce n'est pas là-dessus que va jouer les caractéristiques de cette musique. Pour une Unsure 2, oui, ça pouvait changer beaucoup de choses. Mais pareil, je vais peut-être dire une bêtise, mais je me souviens avoir entendu une pièce de Kagel qui était justement basée sur des rythmiques de machines, soit machine à écrire, ou soit vélo, ou je sais plus, enfin des choses genre bicyclette et des choses comme ça. Et donc où on joue avec le mécanisme, le réel mécanisme d'une machine ou une bicyclette, une machine à écrire et tout ça. Et là, donc, on est plus dans la poursuite d'une musique savante qui travaille avec des bandes aussi, des bandes enregistrées. Parce que là, du coup... Chez Kagel, non, il jouait avec des bicyclettes. Il jouait avec vraiment des bicyclettes. Et pourquoi c'est si important de replacer dans le cadre? Je ne sais plus quelle année c'est Kagel, en fait. Cette pièce-là. Les années 60. Et puis, bon, jusqu'à plus tard. Et pourquoi c'est important de replacer les choses dans leur contexte social? Moins pour savoir d'où elles viennent que de savoir contre quoi elles s'opposent, de quoi elles sont les critiques. Oui. Kagel, vraiment, il s'arc-boute à un certain traditionnalisme à la fois de l'instrumentarium, des circonstances sociales de la musique savante. Il se moque beaucoup de ça. Et il se moque aussi de l'histoire de la musique, Mauricio Kagel. Et donc, les gens de Einstein de Dunton, par exemple, ou ce genre de musiciens, ils se déplacent et ils jouent dans des lieux où habituellement, on joue plutôt de la musique, même si c'est du post-rock. On ne vient pas produire ce genre de truc. Donc, ils jouent aussi leur partie critique contre un académisme pop, d'une certaine façon. Donc c'est intéressant de contextualiser aussi pour ça, pas seulement pour mieux comprendre sur quel socle se bâtissent les musiques, mais aussi pour voir avec quoi elles jouent, contre quoi elles jouent. Ça me semble assez important. Là, on a donc Mauricio Kagel, donc une œuvre d'art en partant du vélo. C'est ça, c'est une sorte de chorégraphie quand même. C'est une chorégraphie, il y a des vélos et on entend donc des murmures, des bruits de sonnettes, des phrases qu'il faut réciter. D'accord. C'est ça, alors c'est un peu compliqué parce qu'évidemment, il joue beaucoup avec l'idée que la musique a un lieu. Or évidemment, vous doutez bien que, puisque ce sont des bicyclettes qui ont des petits trucs métalliques, il y a des murmures, ils parlent, il y a des choses écrites pour les gens à bicyclette. Et évidemment...
ça remet complètement en cause les relations morphologiques de la pièce. Mais à la même époque, la pièce de Kegel pour cycliste, c'est une pièce assez tardive 111. De Kegel. Hein 111 cyclistes. Forcément, c'est une pièce tardive. Mais on peut penser tout simplement à la façon dont des gens comme Robert Morris, donc artistes plasticiens, qui sont plus ou moins assimilés au minimalisme américain, mais qui en fait ont une œuvre beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste, beaucoup plus tordue. Morris produisait des œuvres molles, en feutre, qui épousaient un peu les circonstances. Ils n'avaient pas de structure définie et définitive. Tout déplacement changeait l'œuvre. Oui, là, c'est ça. Donc, c'est un peu de ça dont on parle. Là, j'ai deux interprétations sur YouTube. Hein, par le Travelon Gameleon en 1978. Ah, c'est une autre pièce. C'est une autre pièce, oui, oui, complètement. Et là, c'est qui a fait ça? Non, c'est autre chose. Travelon Game, c'est Richard Lehrman. Richard Lehrman, oui. D'accord, 77. Mais la pièce de Kegel, c'est la précédente. C'est la précédente. Tu veux qu'il la voie? Oh, bon. Ah, si ça peut marcher, pourquoi pas, ça veut vous amuser. Hein. Alors, on va voir ça, navigateur. Mais en fait, c'est une pièce tardive, je me persuade ça. Oui, celle-là est tardive. Donc, je mets l'audio du bureau, vous allez découvrir ça. On va pas tout écouter, je pense que c'est assez lent, non? C'est en noir et blanc, mais en fait, on est en 2010. Hein. Tu crois, on a le bruit du vent aussi. Bah oui, il y a le bruit du vent. Mais ça, y a plein de pièces qui jouent avec l'extérieur. Il y a l'Streich Quartet de Stockhausen avec des hélicos. Voilà. Je dirais, il y a tout un monde qui travaille avec ça. On n'a pas la pièce ici. C'est l'ouverture, il faut le temps qu'ils arrivent. Et l'orchestre vient à toi, comme chez François Pérusse, où ils font leur ouverture en courant. Oui. Ils partent en courant pour finir la... C'est ça, ou décrescendo, se fait avec un orchestre qui court. On va pas tout écouter. Hein, on va pas se la taper en entier. on en était où? Eh ben, on en était à un peu d'écoute et on va pouvoir reprendre. Ça. Oui, tu as passé les morceaux que tu voulais. Je vous en ferai écouter tout à l'heure. Je vous ferai écouter une pièce de Stockhausen de 1955, une pièce électronique de 55 qui est super également. Donc voilà, j'ai encore des petits trucs à vous faire écouter. On va pas faire que d'écoute et puis on vient même de faire un petit crochet par Kegel. Oui. Hein.
Donc voilà. On va repartir sur notre troisième thème de réflexion. Donc c'est pour ça que j'avais fait cette petite pause, parce que j'avais prévu cette petite pause, parce que là on part sur autre chose. On pourra même finir peut-être sur Strategieren gegen Architekturen, parce qu'il y en a sûrement certains et certaines d'entre vous qui ne connaissent pas Anschersen den Neubauten. Donc ce serait pour être pas Wisch Patschiren von Patienten, enfin prendre un des premiers albums. Ça pourrait mais on parle sympa. Pas breton. Un peu d'allemand, mais pas plus que ça. Ouais. On a fait toute une série sur la Bretagne, si ça vous amuse. Sur la chaîne. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas redonné le. Ah, la chaîne L'Entortillé, elle est là. Insomnie. Alors, Insomnie, parce que là, vous êtes sur la chaîne Twitch L'Entortillé, mais j'ai une chaîne. Attends, ah oui. Ah oui, c'est pas ça ? Moi, c'est pas grave, j'allais le faire. La chaîne YouTube sur laquelle il y a les. On met le replay, finalement, là où vous pouvez voir justement le solfège sonore épisode 1. Et. La chaîne où je podcast, les Twitch, mais aussi où je mets d'autres choses, du cinéma plus expérimental, ou cette petite série qu'on a fait pendant le confinement sur la Bretagne, série humoristique, c'est un hommage à notre belle Bretagne. Eh bien, tout ça se passe sur la chaîne Insomnie. Qu'est-ce que tu as mis ? Ah oui, non, mais c'est mieux de mettre la tiny URL, pourquoi tu as mis ça ? Ah, mais j'ai pas trouvé, donc c'est aussi bien, ils vont cliquer, ils iront, t'inquiète. Bon. Ça va être plus simple. Ouais. On écoute la suite ? Allez, on y va. Troisième thème de réflexion, les seuils temporels de l'oreille. Ainsi, l'oreille a ses raisons que la physique ne connaît pas. De cette oreille-là, occupons-nous un peu. On y pénètre par un seuil au-dessous duquel les objets deviennent imperceptibles. Nous voici dans le quantitatif, d'où il naît, comme on va voir, le qualitatif. Première idée, on passe de façon continue des perceptions rythmiques aux perceptions de hauteur. Voici isolée la plus simple des impulsions. La voici répétée en triple croche dans un tempo lent où la noire est battue à la seconde. Voici le sextolet de triple croche, c'est-à-dire 12 impulsions par seconde. Voici des quadruples croches. Puis des sextolets de quadruple croche, encore distincts à l'oreille, mais déjà injouables à aucun instrument. Entre les 24 impulsions par seconde qu'on vient d'entendre et les 29 qui vont suivre, un sens nouveau nous vient, imperceptiblement, qui n'est en rien dû au phénomène observé, mais bien à une faculté originale de notre oreille. Ce si bémol 0 serait bien peu reconnaissable s'il n'était confirmé par le mi suivant. Saluons cette naissance obscure, cette mutation dont personne ne semble s'étonner, des perceptions rythmiques à celles de la hauteur. Voici le do dièse 69 Hz. Ici, la hauteur s'affirme, sans que la perception rythmique disparaisse tout à fait, laissant des marques que nous appellerons à juste titre le grain du son. Après ce sol 2, voici un fa 3 et un do 4. Les grains se rapprochent pour former une matière que nous allons qualifier de plus ou moins rugueuse. Telle est l'expérience musicale la plus élémentaire et la plus mystérieuse à la fois. Nous pouvons, après l'avoir réalisée avec une impulsion électronique, la répéter avec une impulsion tirée du basson grave. Alors, on verra après pour l'impulsion du basson grave. Mais c'est merveilleux quand même dans cette expérience très simple, très rudimentaire, de comprendre que le tempo n'a pas besoin, pour exister, d'être signifié par l'extériorité d'un système au son lui-même, mais qu'il est implicite dans la construction physique du son, dans sa matérialité. Ouais, on ne pourrait pas appeler ça le tempo, justement. Il a un tempo. En tout cas, implicite, puisqu'il joue précisément des croches, des doubles croches, des sextolets. Donc, au contraire, il fait jouer ce qu'on a coutume d'appeler des rythmes, mais que je déteste appeler des rythmes, parce que c'est vraiment une vision extrêmement plate, bête et uniquement mathématique du rythme. Le rythme, c'est bien plus que ça. Parce un ruisseau, tempo, un rythme, c'est du tempo.
Le tempo, habituellement, c'est la vitesse à laquelle on va jouer un morceau. Oui, mais je pense qu'il faut étendre le sens de tempo à l'idée d'un rythme enfermé dans une mesure régulière. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous démontre par la physique, par l'expérience, donc scientifiquement, que plus on va mettre de répétition d'une impulsion dans un temps donné, par exemple une seconde, plus on va mettre de subdivision et rajouter de notes, plus on va faire de diminution finalement, eh bien, plus on va voir, l'oreille va interpréter ça comme une hauteur de son. Plus on va entendre une hauteur, c'est-à-dire que de rajouter des impulsions va nous créer cette espèce de... on pourrait comparer ça à oui, quand on fait du cinéma 24 images, ou même du dessin animé à 12 images secondes, on a une impression de continuité et on voit un mouvement. Il y a un seuil de discrimination. Il y a un seuil à partir duquel on va percevoir un mouvement. Avant ce seuil, toi qui as fait une petite anime l'autre fois, avant ce seuil, on perçoit quelque chose de saccadé, une suite d'images, et au-delà d'un certain seuil, eh bien, parce que l'œil, et du coup, l'œil perçoit, puis le cerveau interprète, cette succession d'images, à cette vitesse-là, à partir de ce seuil-là, ça devient un mouvement. Là, c'est pareil, on a l'impression que, passé un certain seuil, donc par exemple 29 impulsions par seconde, eh bien, on entend un son. On entend un son qui a une certaine hauteur. Donc là, ils viennent démontrer quelque chose d'assez fantastique. Il y a une grande nuance quand même à apporter à cette comparaison. Ta comparaison est juste d'un point de vue perceptif, mais elle est fausse d'un point de vue matériel. Parce que le monde n'est pas composé d'une succession d'images. C'est-à-dire que c'est uniquement du point de vue, dans l'angle de notre perception, qu'il y a une interprétation, des rapports au continu et au discontinu. Oui, oui. Là dans le monde, on perçoit dans ça comme ça. Alors que le son lui-même, composé d'une longueur d'onde, une fréquence, donc la fréquence, c'est le nombre de fois dans un certain, dans une seconde, en hertz, donc là, il est question de ça, il parle réellement d'un nombre d'impulsions par seconde. Donc 24 impulsions par seconde, ça voudrait dire que 20 hertz. Exactement. Voilà. Je ne me trompe pas. Des fois, je fais des petites confusions, mais non, mais c'est tout à fait ça. Ça veut dire que on fait l'épreuve pendant cet exercice du dépliement du problème physique, de la construction fondamentale du son sur sa fréquence et sa longueur. Alors c'est assez magique, parce que là, il nous dit vraiment, on va aller voir les propriétés de l'oreille, de notre système d'interprétation, parce qu'il y a le récepteur. Et la nature des sons aussi. Alors oui, on a trois choses. On a la nature du son, on a notre récepteur qui est l'oreille, mais l'oreille, elle n'interprète rien. Hein. Elle est bien, c'est bien notre cerveau qui va interpréter ensuite. Hein. Comme pour les yeux, on voit, il y a un retournement. Hein. Ce que l'œil voit n'est pas ce que le cerveau voit. Hein. Là, c'est pareil. Je pense qu'on a trois facteurs à prendre en compte. La nature du son, sa nature particulière, et la façon dont on va le cerveau humain l'interprète, finalement. Alors, Lucie, tu compares ça au néon. Alors, le néon donc, fonctionne, regarde, comme la lumière néon. Salut, Suze. Le néon fonctionnant. Ah oui, c'est par petite. C'est une impression. C'est une impression de continuité. Ouais, aussi. Non, en vérité, c'est un gaz. Donc, non, il y a une vraie continuité. Il diffuse de la lumière par un gaz ionisé, le néon. Donc, c'est un peu différent. C'est un mélange de gaz comme l'argon et le mercure. Pas vraiment du néon, à proprement parler. Et donc, ils sont ionisés. Par contre, ce dont tu peux le rapprocher, c'est du balayage électronique du faisceau cathodique dans une télévision. Mais oui, bien sûr, c'est un balayage comme ça, et donc c'est plein de petits pixels qui vont s'allumer progressivement, et nous on voit une image. C'est ça, il y a une certaine fréquence de balayage du faisceau dans un tube cathodique, et cette fréquence doit excéder celle au-dessous de laquelle nous serions capables de discriminer ce fameux passage. D'ailleurs, pour ceux qui font de la photographie numérique, moi j'en ai fait pendant longtemps, quand le balayage de ton appareil numérique ne correspond pas à l'écran que tu es en train de photographier ou à certaines choses que tu es en train de photographier, quand il y a une différence de fréquence, eh bien on voit des bandes. C'est ça, on voit un effet de comportement d'onde. Voilà, on voit graphiquement ce que c'est de ne pas être en accord, que les deux appareils ne soient pas en accord. On voit un effet de moirage qui est assez comparable quand deux fréquences
ne sont pas, comment on dit, combinables mathématiquement, elles ne sont pas multiples les unes des autres. C'est ça, il faut qu'elles soient multipliées. Ouais, pour matériellement, on n'a pas besoin du mouvement pour le constater. C'est ça. Ça peut se faire en dehors de tout mouvement, je veux dire. Quand tu superposes une trame mécanique à points, certaine densité de points, à une trame qui ne lui est pas superposable de façon multiple, tu as un effet de moirage. Je peux vous montrer ça vite fait. Ça te dit que je descende des trames et qu'on fasse comme ça. Moi, j'adore. Si tu trouves ça, ça va prendre un petit moment. Oui, C'est compliqué. Mais c'est très vite. Moi, je vais pas meubler là. Oui, je peux monter très très vite, chercher des trames et puis on va faire comme ça. Tu chantes une chanson, je sais pas. Je vais pas faire ça. On le prend faire en délit avec un appareil photo. Hop. Ah oui, dit Lucie, j'ai l'air d'un con, je vais être obligé de meubler, mais je vais pas faire ça. En fait, ce que je vais vous faire, c'est plutôt vous faire écouter un petit peu de musique, ça va être beaucoup plus simple comme ça, puisqu'elle veut absolument vous montrer des effets de trame, je ne peux pas lutter. Donc, je vais vous faire écouter un truc qui va vous surprendre. Je vous ai souvent rebattu les oreilles avec Bernard Parmigiani, parce que c'est un mec que j'aime énormément, c'est un très très grand compositeur du GRM. Il a fait partie de l'équipe assez tôt, il a été membre permanent du GRM extrêmement tôt, 59, je crois, et puis jusqu'à sa mort, enfin bref, jusque dans les années 90. C'est difficile de parler de son œuvre parce qu'elle est vaste, elle est grande, elle est intense. Donc plutôt que de vous faire écouter, ce qui me frustrerait, moi je vous ferais bien écouter les œuvres complètes de Parmigiani, j'ai décidé de vous faire écouter des trucs que vous allez peut-être reconnaître et qui vont vous amuser. Vous allez me dire si vous reconnaissez ces petites pièces de Parmigiani. Alors, est-ce que vous avez reconnu ? C'est un générique pour France Culture. Allez, je vous mets la suite. Ah, on voit pas. Alors, je suppose que ça, vous avez reconnu. Ah, c'est pas la SNCF, ça ? Est-ce que vous avez reconnu, ça ? Bon, ça marche pas, mon histoire. Ça m'étonnerait que vous reconnaissiez pas ça, quand même. Je vous le refais. C'était le jingle de Roissy Charles de Gaulle. C'est Bernard Parmigiani qui l'a fait. Allez, je vous en fais un petit dernier. Vous allez me dire si vous reconnaissez ça. Allez, il y avait 20 secondes. Vous avez reconnu ou pas ? Moi, je trouvais ça assez marrant. Plutôt que de vous faire écouter des grandes pièces, des violostries ou des Natura Sonorum, ces trucs géniaux, je vous ai mis trois trucs qu'il a fait pour des commandes publiques. Et là, le dernier, c'était le générique d'une émission de télévision qui s'appelait Stade 2, que j'ai jamais vu personnellement, mais dont je connais bien le générique. Comment on pourrait faire pour montrer ? Parce que il faut du blanc derrière, sinon ça ne peut pas fonctionner. J'ai mis du blanc derrière et ça ne marche pas. Là, donc j'ai deux trames et ça ne marche pas. Ah là là, mais ce n'est pas possible. De toute façon, tu es têtu comme une bourrique. Ah bon, ce n'est pas possible. Croyez-moi juste. Ah là là. Grâce à ces trames offertes par Philippe Pelouse. Ah là là, on voit des vagues effets de moirage, mais c'est vraiment nul. Hein. C'est que de la déception, tu sais. Ouais. Bon, on a capté les effets de trames. Merci, Joseph. Allez. Tu es très indulgent. Merci, comme ça me permet d'arrêter, parce que sinon je vais continuer faire ça pendant 3 heures jusqu'à ce que vous disiez que vous avez vu.
Ça peut devenir compliqué. Ce serait, si c'est faux, c'est un mensonge bienvenu. Sachez que c'est très beau, en fait, laissez-vous-même de deux trames l'une sur l'autre. Donc c'est bien Philippe hein, qui nous avait offert ça. Oui, c'est Philippe Pelouse qui nous avait offert ça. Merci bon. Philippe Pelouse. Alors c'est donc, on écoute la suite, voilà. Bah oui, voilà, t'étais après parti cette... dans tes trucs. Donc il allait faire la même chose avec une impulsion de... Allez, on y va. Merci Suze. Alors, on va remettre la phrase. Ah, mais je suis con. J'ai oublié de vous mettre l'audio du bureau. Je l'avais coupé, donc ça risque pas de marcher. Je vous remets ça. Quel con. Tronique l'a répété avec une impulsion tirée du bas son grave. Cueillons l'un des grains du mi grave et grossissons-le environ 5 fois. Le voici. Nous pouvons, en multipliant la fréquence de cette impulsion, illustrer à nouveau le fondu enchaîné qui va du choc à la hauteur et parcourir la tessiture en saluant au passage le mi original. Et on vient d'entendre, là, on vient d'atteindre quasiment le timbre du basson. C'est étrange quand même. Oui, c'était beau, il a dit on cueille un grain du mi grave, j'adorais la façon dont il a dit, et on va partir de l'attaque pour rejoindre la hauteur. Ouais, donc la tessiture, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'amplitude possible d'un instrument. Hein. Voilà, père, là. La répétition des impulsions, c'est-à-dire la fréquence, produit donc dans l'oreille 3 sortes d'effets qui se chevauchent. Choc régulier, puis un vestige rythmique, le grain joint à l'effet de hauteur, puis, colorant cette hauteur, l'évocation d'une matière. Voici beaucoup de qualités, et bien subtiles, pour la simple progression d'un paramètre. On peut bien dire alors que chez l'homme, le même genre de cause ne produit pas le même genre d'effet. Deuxième idée, le pouvoir séparateur de l'oreille. Alors, qui voulait me dire ? Oui, c'est que là, je voulais te dire qu'il fallait couper parce qu'il passe à une autre idée. Et du coup, je me demandais si on pouvait pas faire soit une petite lecture, soit... Ah, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour lire la physicalité du son à ce moment-là ? Ce serait pas con, parce que les propriétés physiques du son, c'est un truc que je vous ai pas lu l'autre fois. Bon, c'est tout simple, hein. C'est des petits chapitres du traité des objets musicaux, donc il est pas hardcore là-dessus. On est toujours dans les traités des objets musicaux, et vous avez vu, c'est très simple à écouter, à comprendre. On va mettre le... Ouais, je vais foutre ça. On va mettre ça, voilà. Si tu veux. Alors, par contre, il faut que j'abaisse le bitonio. Excusez-moi hein, pour ces problèmes. Les oiseaux migrateurs. Ah. Elle est très recherchée, celle-là. Alors, c'est dommage, Suze, il n'y a pas sur la chaîne d'Agnès, puisque la chaîne d'Agnès est une chaîne terriblement ennuyeuse. Moi, très forcément. Sérieux, c'est très cher. Trop sérieux ici. Ouais. Il n'y a pas de petit gadget pour célébrer l'arrivée des calembours. Non, j'ai demandé à Laurent si on pouvait transférer sa petite anime sur ma chaîne, mais visiblement, c'est trop compliqué. C'est pas compliqué, c'est faisable, mais bon, il aurait fallu y penser un petit peu avant. Alors. C'est le chapitre 7.4. J'y suis. 6, 7, bah non alors, c'est quoi ? Pourquoi ? De la physique à la musique, ça va être ça ? Ouais, ça va être ça. Alors, on va faire ça. Est-ce que c'est ça ? Bah écoute, ça me semble bizarre. Pourquoi j'ai mis physicalité du son ? Alors, on va vous le trouver. Bonsoir Grégoutu, bienvenue à bord. Bon, on va vous choper ça. Je pense que ça fera une très bonne scansion dans ce qu'on vient de découvrir, qui est quand même assez, comme tu le dis Lucie, c'est assez bluffant quand même. Ah oui, mais on n'arrête pas hein. de découvrir des choses assez on incroyables. On découvre des trucs qui sont, mais comme en science, contre-intuitifs, complètement contre-intuitives. Grâce à l'expérience, là on est vraiment dans des expériences scientifiques qui nous démontrent des choses qu'on n'imaginait pas, comme l'autre fois quand on enlevait la résonance, on reconnaissait rien, quand on enlevait l'attaque, quand on enlevait la fondamentale, et tout à l'heure quand on a enlevé les attaques ou quand on a multiplié les attaques, au contraire, voir que finalement la résonance comptait presque pour rien dans ce qu'on entend. Voilà. Alors. Dans ce que socialement on est conditionné à entendre. Hein, on est un peu là-dedans tout à l'heure. Alors c'est le chapitre 7.4 qui va aborder à sa manière la question de la physicalité du son pour traiter de la musique synthétique. Parce qu'on a évoqué ce truc qui rapprochait finalement l'ambition des musiques électroniques de celle des musiques concrètes, à savoir finalement de dégager des propriétés... J'ai pas besoin d'être... Non, t'as pas besoin du casque. De dégager des propriétés du son
quelques-uns des opérateurs fondamentaux, quelques-unes de ces caractéristiques, pour les séparer comme des entités à part, et dans un cas, les faire valoir dans le monde des choses, dans le monde des objets, pour produire des sons avec lesquels, par le biais de la musique concrète et l'enregistrement, on peut agir sur cette matière infinie des objets, et dans l'autre cas, avec la synthèse, d'une certaine manière, les faire rejaillir par les propriétés des synthétiseurs, comme des composantes isolées, isolables, à la fois pour la structure du son, mais également du coup pour la structure compositionnelle. Alors, il n'y a certes pas de gadget, mais la mémoire collective est transcendante. T'as vu Suze et tu arrives. C'est beau. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas besoin de mettre le petit bonhomme. Mais si vous voulez, je peux aller chercher mon chapeau melon et faire « What an incredible calembour !» Ah, mais tu veux, vas-y, commence à lire, je vais te le mettre. Comme ça, Suze, tu auras ton gadget, puisqu'il n'est pas sur cette chaîne. Autre optique, autre option, la musique synthétique. Ah, si j'oublie de vous foutre le bazar, c'est con, vous ne pouvez pas lire le texte, con que je suis. Alors, mon melon. Alors, c'est con. Où est passé le petit navigateur, non ? La lecture, elle est là. Voilà, que vous le voyez, la lecture. Voilà, c'est bon. What an incredible calembour. Voilà, on y est. La tendance à l'entre-soi, non seulement justiciable d'une totale organisation interne et d'un chiffrage rigoureux, mais dont les composants sonores eux-mêmes, totalement connus, peuvent tous s'exprimer en termes abstraits, en paramètres, donc ça c'est bien ce dont on parle, mais on n'est pas sur le bon chapitre, Agnès, on n'est pas sur le 7-4, voilà. Il faut le mettre au bon endroit, sinon vous n'arrivez pas à lire. Mais pourquoi, c'est pas le... C'est bon, on en est là. Ah oui, d'accord. Peuvent tous s'exprimer en termes abstraits, d'accord, en paramètres, émerge actuellement comme le mythe le plus fort de la musique contemporaine. Il semble répondre à une approche scientifique de la musique à partir des éléments de sa réalisation. Donc là, Schaeffer, à peine il amorce une construction théorique, qu'il a déjà la force critique de la remettre en branle pour en faire finalement un objet, un nouvel objet d'interrogation. S'il en était bien ainsi, ces éléments de la musique seraient donnés d'emblée en tant que signe. Salut à toi, Franck. S'il en était bien ainsi, ces éléments de la musique seraient donnés d'emblée en tant que signe et toute notre approche par les objets perçus deviendrait oiseuse. On pourrait sans doute expérimenter sur les relations entre ces signes, alors corrélatifs d'un signal physique, et notre sensibilité musicale. Mais ça serait une recherche secondaire et la tâche ardue serait éviter qu'il consiste pour nous, comme on le verra tout au long de cet ouvrage, à choisir l'objet en tant que matériau significatif d'une musique possible. Ce n'est pas une idée qui est si simple que ça à comprendre. Je pense que cette idée qui est inhérente à la valeur des recherches de la musique concrète, mais également des musiques électroniques, ce n'est pas d'atteindre la question paramétrique pour penser toucher finalement à quelque chose qui aurait à nouveau valeur de signe. On peut dire que c'est l'ornière dans laquelle est tombée la musique sérielle quand elle est devenue, pas sa caricature, faut pas exagérer, mais son espèce de machine folle qu'on ne peut plus arrêter dans l'après-guerre. Autant elle était porteuse d'espoir extrêmement intéressant pour remettre en cause finalement l'espèce de construction étouffante de la tonalité. De la tonalité, oui. Il fallait sortir à tout prix de la tonalité. Carrément. C'était presque une... Il fallait... En tout cas, on était en train de sortir de la tonalité. On en sortait, oui. On était en train d'en sortir. Il fallait trouver de nouvelles règles pour que cette sortie de la tonalité puisse faire musique. Bah, s'épanouir, en tout cas. S'épanouir pour qu'il y ait des structures, de nouvelles structures que la tonalité et la tension entre les écarts, entre les notes, quoi. Qu'il y ait de nouvelles tensions musicales pour qu'il y ait du discours musical. Bah, et autre chose, ouais. Salut Lantiche. Salut. Bah, bienvenue à bord, Lantiche. Bienvenue à tout le monde. Bah, vous tombez bien. On était en train de poser, de revenir dans le texte du solfège, enfin là, en l'occurrence, plutôt traité. Du traité des objets musicaux, qui est le petit bouquin qui accompagne le solfège des objets sonores. Hein. Merci pour les follow, Schilfel, et bienvenue. Allez, donc là, on allez. Est en train d'écouter Pierre Schaeffer, d'écouter de la musique acousmatique, on écoute plein de trucs. On écoute Schaeffer dans son solfège des objets sonores, et là, on fait une petite pause pour lire une petite partie du traité des objets musicaux. Salut Mister T, bienvenue Salut. À bord, bienvenue chez l'Entortillier. J'ai cru entendre que quelqu'un avait aussi followé. Qui avait followé, ouais. Ouais. Parce que j'ai entendu le... Ah oui, parce qu'on ne voit pas mon petit violoncelle. Mais en non, fait. Il est derrière. Il est derrière. Il est derrière, là. En tout cas, bienvenue, merci pour les follow. Mais on peut le mettre comme ça, regarde. Si tu veux, on peut le mettre devant, comme ça, le follower. Voilà.
il passera hop devant tout ça là, et normalement si ça refollow, ça devrait marcher. Voilà, normalement bon, on va le voir passer. On était à un moment intéressant. Je vais vous relire juste ce que vient de dire Schaeffer, et c'est pas mal. Donc si vous savez pas qui est Pierre Schaeffer, c'est des trucs qui sont complètement vous pouvez revoir ça dans qu'est-ce qu'il y a, ça salut, passe toujours derrière. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va pas s'arrêter là-dessus. Merci pour les follow. Merci Mr. T, merci Octoven, merci Arbos pour les follow. Et bienvenue à bord. Donc, qu'est-ce que je disais? On était... Tu follow, mais tu vas te coucher, tu repasseras. D'accord, d'accord. Épisode On était 1. Chez Pierre Schaeffer. L'épisode 1, Agnès va vous foutre l'endroit où on peut trouver. L'endroit, ouais. Et la question que posait le petit père Schaeffer à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on va... foutre, Agnès, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je n'ai pas de... Ne fais pas ça. Ben, sinon, on ne voit plus. Ben, qu'est-ce que ah tu oui. voulais faire? Ben, je cherchais. Mais quoi? Ben, l'épisode 1. Il ne faut pas le faire maintenant, parce d'accord. que sinon, ça plus va tard. Être trop compliqué. On verra plus ça tard. Plus tard. Oui, sinon, ça obscurcit cet espace. Très bien, très bien. Ben ouais. Ben, parce que je ne trouve plus déjà le navigateur. C'est pas grave, vas-y, lis. Donc on est... arriver, hein. On était dans la physicalité du son, on y va. Et pas seulement à ça, non, on est dans un truc plus intéressant. C'est comment Schaeffer, après avoir déterminé un truc important pour comprendre ce qu'il est en train de créer comme dispositif musical, invite à ne pas se méprendre sur ce qui est en jeu. Et notamment, comment une certaine forme d'analyse du son pour trouver ses paramètres, ses composantes fondamentales, une certaine structure interne et physique, matérielle du son, aussi sensorielle, aussi phénoménale, pourrait conduire à une pente dangereuse, c'est de reproduire un système de signes. C'est ce que je disais juste avant que vous n'arriviez, cher Red, c'est que ce système de signes, il a pesé très très lourd sur les constructions musicales dans l'après-guerre. Il a pesé lourd notamment sur les derniers échos de la musique sérielle, et il étouffait complètement ces structures. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Parce que précisément, était soumise à la question de la série, donc on ne va pas rentrer dans les détails de la musique sérielle, en l'occurrence post-sérielle, qui va radicaliser la tonalité ou la pentonalité de Schoenberg. Mais toujours est-il que décomposant finalement la quasi-totalité de ce qui va faire les opérateurs généraux de la musique de cette époque, donc avec l'instrumentarium, les timbres de chaque instrument, les soumettant tous à l'organisation de la série, on arrivait à une furie hyper signalétique, c'est-à-dire une furie d'écriture qui n'a pas mené, à mon sens, hein, à des compositions vraiment bouleversantes. Je crois que c'est la fin de quelque chose. On parlait tout à l'heure du côté trop mathématique, finalement, à force de chercher de la structure à tout va, on était dans des choses qui étaient très étriquées mathématiquement. Le système était tellement étriqué, il y avait un dessin, le dessin à l'envers des notes, il y avait que 6 petites structures, il me semble, hein, c'est ça, 6 structures de succession de notes dans la musique sérielle, ce qui fait que très vite, on se trouvait étouffé par le système lui-même. En fait, 12, une musique de décaphonie. Voilà. Mais bon, peu importe. Donc on va pas insister là-dessus, mais c'est intéressant de voir que le Schaeffer met en place un système d'analyse et de compréhension, tu vois, de la physique du son, mais il voit déjà les dangers qui pèsent sur cette compréhension du son. Donc on y va. La tendance, je relis du coup les 3 pauvres lignes, alors, hein, vous avez lu les autres, c'était le 7-4, on est dessus. On est dessus. Ah, il revient un peu en arrière, effectivement. Oui, c'est ça. Voilà. La tendance à l'œuvre en soi, non seulement justiciable d'une totale organisation interne et d'un chiffrage rigoureux, mais dont les composants sonores eux-mêmes, totalement connus désormais, peuvent tous s'exprimer en termes abstraits, en paramètres, émergent actuellement comme le mythe le plus fort de la musique contemporaine. Donc là, il écrit ça, on est en 66, donc vous voyez bien à quoi il fait allusion, on est précisément dans ce dont je suis en train de vous parler. Et aussi, dans une certaine approche de certaines musiques électroniques, risque aussi de tomber. Bon, la musique électronique, dès le début des années 60, elle est vraiment déjà très riche, hein, il se passe beaucoup de choses. Je vous ai fait écouter du John Cage, je vous ai déjà fait écouter des trucs. On écoutera Stockhausen après. Elle est riche, mais il y a certaines écoles, certaines tendances qui vont un peu dans ce bordel-là. Il peut déjà les percevoir, ces écueils. Il les perçoit complètement, ces écueils. Il semble répondre à une approche scientifique de la musique à partir des éléments de sa réalisation. S'il en était bien ainsi, ces éléments de la musique seraient donnés d'emblée en tant que signes, donc on était là-dessus. Hein. Et toute notre approche pour les objets perçus deviendrait oiseuse. On pourrait sans doute expérimenter sur les relations entre ces signes, alors corrélatifs d'un signal physique, et notre sensibilité musicale. D'une certaine façon, c'est un peu ce qu'on fait en suivant Schaeffer dans son solfège des objets sonores. On voit, d'une certaine manière,
qu'est-ce qui, dans la construction, salut. Ah ben non, j'ai déjà lu ça dans le chat, je bredouille dans ma petite tête. Moi. Je te dirai si on a déjà vu pas mal avec lui, tous les illusionnismes sociaux, les usages, les habitudes d'écoute de la musique qui nous faisaient prendre pour une réalité physique une manière d'écouter les choses et de les organiser pour nous conceptuellement, que nous prendrions à tort pour la matérialité sonore. On avait vu ça hein, avec pour l'instant avec les différentes expériences de découpe de son, de filtres passants, etc. Donc c'est des choses qui sont importantes à comprendre. C'est que il faut éviter de superposer dans la relation à la musique le signe acoustique et le signal physique auquel il correspond. Mais ce serait une recherche secondaire, et la tâche ardue serait évitée, qui consiste pour nous, comme on le verra tout au long de cet ouvrage, à choisir l'objet en tant que matériau significatif d'une musique possible. Alors l'objet, pour les petits nouveaux, je le répète, ça n'est pas l'objet qui produit la musique, mais bien, donc pas l'objet, pas l'instrument, quoi, mais bien l'objet sonore, c'est-à-dire cette chose sonore, cette chose acoustique que l'on expérimente. Cela vaut donc la peine d'examiner si c'est un mal nécessaire, ou s'il existe un chemin plus direct qui ferait découler la construction d'une musique d'un emploi immédiat des matériaux sonores, issus d'une synthèse physique d'éléments simples. Et ça, au moment où le raid déboulait, c'est ce que je vous invitais à essayer de vous représenter, même si ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple d'imaginer que les sons en eux-mêmes disposent des puissances constructives, structurantes, matériel, organisante, timbrale, pour fabriquer et écrire de la musique. Là, avec ce qu'on vient de faire comme écoute, avec la répétition d'une toute petite portion de son qui, coagulée, finit par donner un son continu à cause de ce battement qui fait disparaître la fréquence, on a compris qu'il y avait ce potentiel. Ce potentiel, par exemple, c'est le tempo, c'est-à-dire la mesure marquée, enfermée à l'intérieur d'un cadre précis et répété. Donc une espèce d'image comme ça métrique, elle est contenue dans la physicalité, c'est-à-dire que c'est une propriété facile à déduire de cette expérience. Mais la musique concrète vise à rendre sensible l'idée que toutes ces propriétés pourraient l'être, que tout ce qui satisfait l'image qu'on a de la composition est en puissance dans le son lui-même, dans l'objet sonore. C'est ça. Voilà. Ça, c'est une des choses que Schaeffer veut nous... Déjà, il veut nous démontrer que tout ce qui nous paraît évident ne l'est pas, ouais. Pour le son, qu'il y a une inévidence, qu'il y a quelque chose qui n'est pas donné. Même si nous percevons le son, nous ne comprenons pas son fonctionnement pour autant. C'est pour ça que je parlais d'une démarche scientifique, mais qui est inévidente. Hein, c'est ça. C'est que l'expérience qui nous montre qu'en multipliant ces points d'attaque, ces percussions à l'intérieur d'une seconde, c'est-à-dire en augmentant la fréquence, on arrive à l'audition d'un son qu'on interprète comme note. C'est ça, d'une tenue et mieux encore, la restitution d'un timbre. Ça, c'était bizarre. Et puis une fluidité. Oui, et puis la restitution d'un timbre, c'est-à-dire plus ou moins granuleux. On retrouvait un aspect du grain, de ce qu'il appelle la masse, la contexturation harmonique du son. Ouais. Ça, c'est quand même la grosse surprise. Ouais. Avec cette toute petite portion du son de basson, d'un seul coup, le temps d'une hauteur, on l'a entendu émerger. Vous avez bien vu qu'ensuite, en augmentant la fréquence, on la reperdait. Plus on allait dans les aigus, c'est-à-dire plus on augmentait la fréquence, et plus on avait une impression de son synthétique, finalement. Oui, plus on perdait le timbre, ben, clairement. Voilà. Cette séduisante hypothèse a été non seulement avancée, mais appliquée avec enthousiasme et acharnement par l'école électronique allemande de Cologne, dont le théoricien était le distingué Werner Meyer-Eppler, physicien de l'université de Bonn, trop tôt disparu, pour en poursuivre la vérification et en mesurer les conséquences. Pour la restitution d'un timbre, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas qu'il soit oblitéré. Ce que j'ai bien aimé aussi dans la démonstration qu'on a entendue, mais ce n'est pas un calembour. What an incredible calembour! Est-ce que c'est vraiment un calembour? Bah oui. Oui. Est-ce que ce qui était bien dans la démonstration aussi, c'est qu'il nous l'a montré avec des sons synthétiques finalement, des sons, comment on dirait
pas numériques, mais des sons qui n'étaient pas... synthétiques, c'est mieux. Synthétiques. Mmh. Il nous a montré avec des sons synthétiques. Et ensuite, il nous l'a démontré avec un son naturel, en prenant ce grain de mie de basson, quoi. Ah, il a fait se rejoindre. Hein. Du coup, l'ambition des musiques électroniques qui sont recompositionnelles des caractères fondamentaux du son et les musiques concrètes qui sont multicompositionnelles des propriétés matérielles de toutes les choses susceptibles de produire des mais sons. Mais ce qu'il nous montre, c'est comme si, parce qu'on disait tout à l'heure que pour travailler sur un objet, c'est bien d'épurer le plus possible et donc que souvent les acousticiens. Voilà, travaillent sur des ondes pures, enfin des ondes complètement épurées de tout ce qui ferait parasite. Et là, il nous montre qu'en fait, même avec du parasite, c'est complètement démontrable. Complètement, il travaille beaucoup avec ça, ce solfège des habits sonores. C'est bien. Très beau passage sur le bruit blanc dans la première leçon. Donc on pourrait pas lui opposer le fait que, ah oui, mais ça marche qu'en labo. Non, finalement, dans la vie, ça marche. Alors, merci pour tout, c'est génial votre émission, fini de travailler, donc je pars avec ma douce. Je ferai la fin en replay. Bah, à bientôt Joseph, c'était cool de t'avoir. Et écoute, n'hésite pas à aller voir l'épisode 1, donc si tu l'as pas vu. Voilà, exactement. Je redonnerai tout à l'heure l'adresse là, du coup j'ai pas réussi. Donc on était sur le petit père Werner Meyer-Eppler, physicien à l'université de Bonn, qui a émis des hypothèses, mais qui est mort trop tôt pour vérifier les conséquences de ces hypothèses théoriques. Et voilà ce que dit Schaeffer. Sans doute eut-il évolué depuis une prise de position déjà ancienne. Cependant, nous vous permettrons, dans le but de mettre en lumière ce point de vue, de recourir aux propos tenus par ce physicien lors d'une conférence qu'il avait donnée en 1951. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça qu'on va écouter. C'est pas long. Grâce à la possibilité de produire des sons électroniquement, le compositeur moderne n'est plus lié aux sons formés d'avance qui ne peuvent être modifiés que dans d'étroites limites selon les prescriptions de la technique d'exécution. Il est capable de créer lui-même son matériel sonore. Le produit initial qu'il emploie ne doit donc plus être, comme le voulait la tradition, identifié par son timbre instrumental, par exemple son de hautbois, son de clavecin, etc. Il est nécessaire de réviser la terminologie de l'acoustique et de nommer les sons et les bruits non pas d'après leur origine, mais d'après leur constitution physique. Toutefois, ce faisant, on doit tenir compte des capacités de l'oreille humaine. Depuis Helmholtz, on lui reconnaît la faculté d'analyser, pour ainsi dire spectralement, les phénomènes acoustiques. Et par conséquent, vu le développement actuel de nos connaissances sur le fonctionnement de l'ouïe, il convient que nous représentions la structure des causes de nos sensations auditives par un schéma dressé en fonction du temps et de la fréquence. La notation usuelle peut, elle aussi, être considérée comme une approximation d'un schéma de ce genre. On verra évidemment très rapidement que la notation usuelle va disparaître au profit, je dirais, de d'autres relations, même à la question de l'écriture, qui va radicalement changer quand on va être plongé dans le corps même des musiques électroniques et acousmatiques, où l'écriture devient un problème second, c'est-à-dire où elle va devenir descriptive plutôt que prescriptive. Alors, c'est un peu ce qui va se passer. Je vous l'ai déjà montré, mais je ne sais plus où est le navigateur. On dirait qu'il a disparu. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Ah, mais par contre, je peux faire ça. Non, mais si tu veux le recopier, comme c'était dans ta mémoire, il doit toujours être là, je pense. Je pense que c'est ton... C'est ça? Mais oui, ça reste ton adresse avec... Tu l'avais déjà copié. Mais c'est l'adresse de ma chaîne. Oui, donc c'est ça. Voilà. Où il y a le volume 1. Pour l'épisode 1. Voilà. Pour l'épisode 1. Donc, vous saurez tout pour l'épisode 1. Donc, on continue d'écouter le père Schaeffer. Oui, alors, hop. Donc, on arrive sur une nouvelle idée. Allons. Nouvelle idée ouais. Alors, allons-y, nouvelle idée. Bon, on va remettre au début de ce oui. signal. Ça va mieux. Si tu veux. La répétition des impulsions, c'est-à-dire la fréquence, produit donc dans l'oreille trois sortes d'effets qui se chevauchent. Choc régulier, puis un vestige rythmique, le grain, joint à l'effet de hauteur, puis, colorant cette hauteur, l'évocation d'une matière. Voici beaucoup de qualités, et bien subtiles, pour la simple progression d'un paramètre. On peut bien dire alors que chez l'homme, le même genre de cause ne produit pas le même genre d'effet. Deuxième idée, le pouvoir séparateur de l'oreille.
Il y a donc une limite à l'accumulation temporelle des objets, et la musique traditionnelle l'a consacrée pratiquement en limitant à la quadruple croche la brièveté de ses notes. Il se trouve d'ailleurs que les limites psychophysiologiques sont les mêmes du côté du « faire » que de l'entendre. Le pianiste ne pouvant aller plus vite, c'est l'accéléré du magnétophone qui va réaliser les quintuples croches. L'oreille distingue encore les notes d'une gamme dont elle a l'habitude, mais les soude entre elles, comme elle a fait pour les grains du basson. Sur un texte musical moins évident, les sons s'interpénètrent aussi lorsqu'ils passent de la quadruple croche à la quintuple croche. Dans les deux exemples précédents, on a franchi la frontière des 50 millisecondes, ou un vingtième de seconde, qui marque le pouvoir séparateur de l'oreille. La même frontière joue pour la parole, plus rigoureusement encore. Donc je voulais arrêter juste là. Donc ce dont on parlait tout à l'heure de seuil, hein, bon moi j'ai évoqué les 12 images par seconde du dessin animé, mais Laurent m'a fait remarquer que ici on est dans le monde réel et que naturellement notre oreille va distinguer, discriminer à partir d'un certain seuil, ne plus discriminer, faire quelque chose de fluide et transformer. Donc je vous explique un peu ce qu'il nous a fait entendre. Il nous a fait entendre une gamme descendante dont les notes durent chacune 60 millisecondes. Il nous a fait entendre la même gamme avec les notes qui duraient 30 millisecondes par note, hein, c'est ça ? C'est ça. Ensuite, il nous a fait entendre des sons désordonnés en quadruple croche, puis deux fois plus vite. La même deux fois plus vite. Et maintenant, nous allons entendre la même chose avec la parole humaine. Et il dit qu'encore plus, nous discriminons. Ça devient intéressant parce que quand on parlait de signe et de la puissance du signe, je dirais que l'objet acoustique pour lequel il est le plus difficile de passer le cap de l'objectivation sonore, c'est-à-dire celui dont le moins volontiers nous allons pouvoir dessiner les contours acousmatiques, c'est bien la parole humaine. Nous sommes si assujettis au sens des énoncés, à la verbalisation comme organisation du discours, que nous ne savons pas réellement écouter le flot d'une parole humaine comme un objet sonore. C'est très compliqué. Alors, il y a ce travail magnifique que j'adore, de celui qui, je crois que c'est un Belge, qui a fait tout un travail sur où on entend la musique du son. Ah oui, c'est Pérus, c'est un Canadien. Non, pas Pérus, c'est un Canadien, c'est Lucier. Lucier, voilà. Oui, c'est très bien. Il faut marquer ça. Oui, Lucier. Voilà. Lucier, vas-y. Voilà. Comment ça s'appelle déjà, discours Lucier, le trésor de la langue. Le trésor de la langue. Et il faut aller écouter ça. D'ailleurs, peut-être on peut en trouver. Oui, on peut. On peut vous faire écouter un petit peu ça. Bah, pas tout de suite, mais parce que c'est un... Oui. Mais... Mais je peux vous donner un exemple intéressant dans un poème sonore de Bernard Haitink pour voir qu'est-ce que c'est que le seuil de discrimination. J'y vais. Le maître du plomb dans la tête et les voix filets droits.
Voilà, c'était un poème de Bernard Haitchik dans Canal Street, un album de 1972, je crois. Ce qui est intéressant, c'est que comme tout à l'heure, quand on passait un son à l'endroit puis à l'envers, le fait de l'attente et des circonstances nous fait entendre mieux la deuxième fois la phrase. Évidemment. Une fois qu'on la connaît. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, on a expérimenté ça en passant un son à l'envers et on entendait beaucoup plus la résonance de l'instrument une fois qu'on passait à l'envers, plutôt que de l'avoir dans le sens naturel des choses, avec l'attaque. Et là, on ne distinguait pas. On n'était pas dans l'attente d'un futur. On avait eu l'attaque, donc c'était bon, le son était fini. On n'avait pas besoin d'attendre quelque chose. Le geste était posé, quand on fait du montage et qu'on coupe trop juste, nous disait, je ne sais plus qui nous parlait de ça tout à l'heure, dans le chat, le fait que quand on fait du montage et qu'on est débutant, c'est Joseph Capac qui nous disait ça. C'est vrai que quand on est débutant, une fois que le son a été émis, finalement on le coupe, on n'attend pas la fin, sa mort, la fin de sa résonance. Là, dans ce que tu as fait, on découvre le même système, à savoir que notre attente conditionne réellement notre écoute. Alors, Franck dit, imagine la personne qui débarque sur le stream à ce moment. Oui. J'espère que vous avez fait des clips. D'une façon générale, on peut dire que quiconque débarque sur cette chaîne, a priori. Ouais. Alors, est-ce que c'est un poème qui n'existe qu'à l'oral? Oui, il existe sur un coffret de vinyle qui a été produit, donc que m'a offert Bernard il y a bien des années, il y a une trentaine d'années. Je crois qu'il a été reproduit en CD depuis, puisque à la mort, je pense, de Bernard Haitchik, il y a eu sûrement des tas de choses faites pour archiver tout ça. Mais c'est Bernard Haitchik, je peux vous écrire son nom si vous ne le connaissez pas, ça s'écrit comme les champagnes. Mais n'hésitez pas non plus à aller écouter Trésor de la langue de Lucier, où Lucier a, comment dire, mimé de façon musicale des conversations. Je décris bien le projet. C'est magnifique, c'est extrêmement beau et tu finis par entendre la musique de la langue. Alors, tu t'y tiens, hein. Tu serais malheureuse qu'on n'entende pas Lucier. Oui, entendons Lucier. Mais en plus, j'aimerais bien vous faire découvrir ça parce que c'est génial. C'est Laurent qui m'a fait découvrir ça, j'adore. Alors, René Lucier, voilà. Alors, on écoute un petit peu la visite du général de Gaulle. Donc on va voir ça, on va s'écouter. Allez, ça, la visite du général de Gaulle. Remets bien l'audio du bureau. Voilà. Allez, c'est vraiment allez, parce que on c'est est vous. Parti. Alors, on est parti. En ajoutant que j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable, la France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en voudra mieux. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Je coupe là parce que c'est un peu long. Le principe de l'album, c'est
c'est très littéralement de la paraphrase musicale. C'est ça. Et c'est là génial. Où c'est vraiment intéressant, c'est que Lucier fait rejaillir tous les particularismes individuels. C'est-à-dire qu'il va écouter des gens qui viennent de milieux différents, qui ont des accents canadiens différents. De terroirs différents. Ça va dans le terroir, ça va partout. Donc, et il réinterprète avec un instrumentarium très varié. Ouais. Ça veut dire qu'il fait vraiment saillir... Il fait éclater, il rend sensible la couche profonde de musicalité, des énoncés, de c'est la génial. Langue, c'est sublime. Déjà, ah ouais. l'idée, parce qu'on ne l'a pas, c'est comme les choses que nous apprend Schaeffer dans Solfège d'objets sonores, c'est... En fait, ce n'est pas intuitif tout ça, du tout, la musicalité de la langue, on peut dire, oh, la musicalité de la langue, mais on ne l'entend pas vraiment, en fait, c'est... Oui. Il nous fait entendre, il nous fait émerger à la surface quelque chose qu'on n'entend plus. On peut dire, ah, ils ont des accents, ouais, il y a des... Mais non, c'est pas ça, ça va beaucoup plus loin que l'accent et tout ça. Il y a une réelle musicalité, il y a un réel son. Voilà, donc essayez de vous choper ça, René Lucier, Trésor de la langue. Voilà. Et c'est drôlement bien. Peut-être même Trésor de la langue. Voilà, c'était la blague lacanienne de la soirée. J'en fais presque jamais. Vous êtes témoins, ceux qui sont sur ma chaîne, je fais presque jamais de blagues. Je suis pas bonne en blagues. Ben là, j'en ai fait une. Une blague lacanienne. Une blague lacanienne. Ça va chier s'il y a un diététicien dans le coin. Putain, ça va On chier. A le droit de faire des blagues lacaniennes, hein, même quand... Qu'est-ce que c'est ? Badoumts. Ah, quelle mignonne petite timote, Franck. C'est quoi ? Oh, c'est mignon. C'est un petit batteur qui fait badoumts. C'est génial. Très, très beau. Je veux ça, moi. Très, très beau. Tu l'as fait toi-même, peut-être. Ouais, sans doute. Ça a l'air d'être fait, effectivement, par... Avec un petit... Un enfant de 30 ans. Allez, on est reparti, nous. Allez, on continue. La durée moyenne de ces syllabes est de 40 millisecondes. Le sens est devenu inintelligible. En reprenant la phrase sur un rythme intermédiaire entre triple croche et quadruple croche, elle devient claire. En aucun cas, le chercheur ne saurait préjuger de ce qu'il va trouver. Il n'a pas choisi n'importe quoi. Troisième idée, constante de temps de l'oreille. Distinguons bien du pouvoir séparateur de l'oreille, pouvoir de séparer les objets, la constante de temps de cet organe, c'est-à-dire la plus petite tranche temporelle au-dessous de laquelle on n'entend plus qu'un bruit blanc, dû à l'étalement du spectre et indifférent à la nature des stimuli. Ce seuil est beaucoup plus fin, 10 fois plus bref, que le pouvoir séparateur. On passe du 20e de seconde au 200e de seconde, soit 5 millisecondes. Quelles que soient les durées d'apparition de l'énergie entre 0 et 5 millisecondes, l'oreille entendra le même bruit parasite dû en propre à l'appareil auditif. C'est cette pseudo-attaque qui explique, comme on verra plus loin, l'incidence des coupures droites pratiquées sur la bande magnétique. Peu importe en effet ce qu'on y aura enregistré, l'éruption du son lors des 5 premières millisecondes provoque dans l'oreille une minuscule explosion. Alors comme c'est vraiment un passage très important qui va déterminer tout là-dessus, je propose qu'on le réécoute. Oui. Parce qu'il est vraiment précis, il est rigoureux, il faut vraiment comprendre ce qu'il nous dit. Alors en plus, je suis un peu embêtée parce que je voulais m'arrêter à peu près là, mais est-ce que ça dépend si on est fatigué, on n'est pas fatigué ? Non, on peut continuer un petit peu, c'est un moment important il me semble. Mais après il part sur d'autres idées, hein, donc ça va être difficile de couper. Mais ouais, mais à quel endroit tu veux couper exactement, dis-moi. C'était, tu vois, il y a le cloque, ouais, et important. Après, différentes attaques de ciseaux, ouais. Ça dure 2 secondes, enfin okay. 9 secondes, et après je comptais m'arrêter là, parce qu'après il partait sur une quatrième idée. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, je sais pas, il est 00h43, t'es fatigué ou pas ? Moi, j'avais une migraine aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que ça va un peu mieux. Bon, écoute, on va écouter ça. On écoute donc ces petits et sons-là. Puis, de toute façon, j'ai un peu d'écoute musicale. Donc on peut écouter de la musique après. Alors, ouais, voilà. On va faire ça. On va écouter cette belle idée, quitte à la réécouter la prochaine fois. Puis voilà, d'accord ? Allez, on y va. En aucun cas, le chercheur ne saurait préjuger de ce qu'il va trouver. Troisième idée. Constante de temps de l'oreille. Distinguons bien du pouvoir séparateur de l'oreille, pouvoir de séparer les objets, la constante de temps de cet organe, c'est-à-dire la plus petite tranche temporelle au-dessous de laquelle on n'entend plus qu'un bruit blanc. D'accord, donc ce que Agnès appelait un seuil, quoi. Seuil au-delà ou en-deçà duquel on passe, en quelque sorte, du discontinu au continu. C'est ça. Ah, ben, donc, il y a une fluidité. Voilà. Et donc, on discrédite. Tease. On discrétise. Voilà, je cherchais le... J'allais dire discrédite, non, c'est non, pas ça. On discrétise le son, ouais. Et à partir d'un certain seuil, on ne le discrétise pas, comme d'ailleurs les images.
On va pas le discréditer, ce pauvre son. Non, vous voulez pas discréditer le son. On va c'est pas un faire brave ça. Son sympa. Dû à l'étalement du spectre et indifférent à la nature des stimuli. Ce seuil est beaucoup plus fin, 10 fois plus bref, que le pouvoir séparateur. On passe du 20e de seconde au 200e de seconde, soit 5 millisecondes. Quelles que soient les durées d'apparition de l'énergie entre 0 et 5 millisecondes, l'oreille entendra le même bruit parasite dû en propre à l'appareil auditif. C'est cette pseudo-attaque qui explique, comme on verra plus loin, l'incidence des coupures droites pratiquées sur la bande magnétique. Peu importe en effet ce qu'on y aura enregistré, l'éruption du son lors des 5 premières millisecondes provoque dans l'oreille une minuscule explosion. Des coupes en biseau de la bande magnétique permettent à l'énergie d'apparaître progressivement et dispensent l'oreille du cloque habituel. On va comparer une coupure droite et, sur le même son, des coupures en biseau de 10, 20, 60 millisecondes de plus en plus adoucies. Donc, ce qu'on appelle des fade-in, quoi. Donc là, il faut couper au bout de 9 secondes parce qu'après, il passe à une autre idée. D'accord. 9 secondes, je coupe. Bon, là, on va écouter la naissance du fade-in, mais du fade-in mécanique. Donc, vous voyez, vous avez votre bande magnétique avec un son continu, coupe droite, donc une attaque franche, comme sur une percussion, et coupe en biseau, donc on va arriver à un signal en fade-in. D'ailleurs, je voulais repréciser, puisque tout à l'heure, Joseph a parlé de montage, que quand on fait du montage, les gens qui sont habitués à faire du montage, vous entendez régulièrement ce cloc entre deux fichiers que vous avez raboutés. Et là, il faut s'approcher très, 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 très près pour essayer de voir à quelle hauteur dans la courbe on va couper pour faire que les deux, que les courbes se continuent et qu'il n'y ait pas un bout de courbe qui soit en haut pendant que l'autre arrive en bas. Et suivant le logiciel de montage que vous avez, sur le mien, c'est infernal parce qu'on ne voit rien. Et, c'est la minute vieux con, c'est ça? Non, pourquoi vieux con? Oui, il taille n'importe comment, c'est des montages de gorée. Moi, de mon temps, on savait monter. Non, pas du tout, je ne parle pas de ça. Tu ne parles pas des jump cuts de YouTube? Pas du tout. D'accord. Ah non, je ne parlais pas du tout de ça. Pourquoi tu as entendu ça, toi? J'ai entendu ça. Non, je disais que si on ne faisait pas attention justement à la crête, qu'on ne passe pas d'une crête à un creux, eh bien, on entend ce fameux cloque en permanence. Moi, quand je fais du montage, je passe un temps fou à enlever les cloques. Parfois même, je demande à Laurent d'enlever mes cloques. Si vous regardez certains montages, il en reste... Enlève mes cloques. Enlève mes cloques. Donc, 9 secondes. Quatrième idée. Non, toi, tu veux que je coupe. Bon, mais vous avez entendu une quatrième ce qui idée se passe. Après. Vous noterez quand même que l'incidence de l'angle d'attaque, avant que l'oreille perçoive réellement qu'on a changé de type d'attaque, il faut un certain temps. Je suppose que là, il n'a pas noté, par exemple, les degrés d'attaque, c'est-à-dire l'angle, tout simplement. Oui, c'est ça. Coup. Mais je pense qu'il a fait ça avec sa paire de ciseaux. Oui, oui, bien il sûr. Il a fait ça. Ça ne me fait aucun doute. Ma question, c'est à partir de quel moment, en fait, on passe de la coupe franche. Ah oui. À quel moment l'oreille perçoit que quelque chose s'est transformé d'attaque? Alors ça, je ne sais pas. À partir de quand? C'est pas instantané. On sent que la deuxième, alors qu'il a déjà orienté sa paire de ciseaux, la différence n'est pas marquante. Alors, dernière est pas mal. La dernière est pas mal. Mmh. Voilà. Mais je pense qu'il a voulu nous montrer qu'il y avait plusieurs angles avant d'arriver à la bonne coupe pour le fade-out. Le fade-in, du coup. C'est un fade-in, oui, fade-in, voilà. Fade-out, c'est la chute. Ouais, c'est ça. Donc, bonne nuit, Lucie. Et puis, à bientôt. Mais de toute façon, là, on va juste faire d'écoute. On va juste faire un peu d'écoute et on arrête. On va retourner aux sources, alors. J'avais dit tout à l'heure qu'on écoutait... Parce qu'après, il part sur une quatrième idée et je crois qu'on est un peu fatigué pour développer comme ça. On est là depuis un petit moment. C'est un on générique, mais moi, je ne suis pas fatigué du tout. Tu n'es pas fatigué. Mais tu as raison. Il faut savoir être raisonnable. Nous avons... Ça fait 12 os. Ça fait 12 os. 12 os. 12 os. Une paire de 6 os, ça fait 12 os. What an incredible calembour. Mon Dieu. Alors, on va s'écouter un petit peu. Je coupe l'audio du bureau pour qu'on n'ait pas de double. Une pièce assez chouette. Ah, salut. Merci. Pour le follow, Alex Scott, c'est la suite de Qu'est-ce que le
sont le solfège de l'objet sonore. Ouais, c'est oui, ça. C'est la suite, Alex. On arrive à la fin. On est en train de finir. Ça fait quelques heures qu'on y est. Ça fait exactement 3h17 qu'on est dessus. Tu regarderas en replay, voilà. Soit sur la chaîne Twitch, merci soit sur follow, Insomnie, ma chaîne YouTube, où je le mettrai dans quelques temps, quand il aura vécu sa vie. Donc, on va écouter un petit morceau intéressant. Alors, Stockhausen Zone s'intéresse très, très tôt aux musiques électroniques et s'intéresse aussi très, très tôt à la combinatoire instrumentale entre l'instrumentarium classique et... tu n'as pas encore fini de lire le bouquin. Ah, le traité des objets musicaux. Ah, traité des on objets en lit musicaux. Des petits bouts. Là, on en a lu un petit peu, mais on picore parce qu'on est vraiment dans solfège d'objets sonores et de l'écoute, là, sur ce projet-là. Mais de temps en temps, Laurent a lu quelques chapitres. On passe de l'un à l'autre. Ouais, voilà, on passe de l'un à l'autre. Mais on ne va pas lire tout le... On va pas lire le... C'était pas le projet de lire. Non, le projet, c'est d'écouter tout le solfège des objets sonores. Donc, voilà. ça va nous donc prendre. Donc, il y a 3 CD. donc, il y a des centaines de sons. Et voilà, pour vous donner une idée, on en est au 68e son. On est qu'au 68e son. Il y a encore du boulot. Il y a encore du travail. Donc, qu'est-ce que je disais Stockhausen. Stockhausen a composé, alors, parmi les pièces les plus célèbres que vous ayez de la musique électronique de Stockhausen, la plus célèbre de toutes, c'est sans doute Contact für elektronische Schlangenklavier und Schlagzeug, ce qui veut dire Contact pour elektronische Schlange pour son électronique, piano et batterie. Non, c'est une pièce de 66, mais qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'était des gros yeux qui faisaient comme ça, mais non, c'est pas des gros yeux, mais c'est des mais comme elle est trop connue... que la plupart d'entre vous connaissent Contact et ses multiples variations, j'ai décidé de faire écouter une pièce plus vieille, une pièce qui a 10 ans de moins, qui est une pièce de 1956 qui s'appelle Gesang der Jünglinge, ce qui veut dire les chants des jeunes gens. Voilà, et qui est une pièce extrêmement intéressante puisqu'on rentre vraiment à la fois dans les musiques concrètes et les musiques électroniques. Elle a été jouée donc pour la première fois en 1956. C'est une bande 4 pistes avec des sons sinusoïdaux, donc là on est vraiment dans de l'électronique, et l'enregistrement d'un enfant de 12 ans. Donc vous allez rentrer dans cette combinatoire, et c'est-à-dire qu'on est pile, c'est très bien pour finir ce live. Alors après, je vous mettrai un petit truc de Michel Chion que j'aime beaucoup, mais on va d'abord écouter ça. On est en 1956 avec Karl-Heinz Stockhausen. Thank you.
Voilà, j'ai coupé une articulation à peu près correcte, ouais, j'essaie de ne pas massacrer ça, parce que la pièce est un peu longue. Mais bon, ça vous plonge déjà dans le type de recherche de Stockhausen. Agnès me faisait remarquer qu'il y avait un travail assez remarquable sur la spatialisation, ouais, ça passe d'une entre ce qui se passe, voilà, c'est ça, ce qui se passe à gauche et à droite, donc dans la compréhension. Mais au-delà de la stéréophonie, parce qu'en fait, assez tôt, ce qui va se construire autour du RTF et du GRM, du groupe de recherche musicale, c'est la nécessité de produire ce qu'ils appellent un instrument, mais qu'on pourrait aussi appeler un orchestre, c'est l'acousmonium. Donc la musique acousmatique va être accompagnée assez vite de l'impératif de fabriquer un ensemble matériel susceptible de restituer le plus justement possible l'ampleur, la granulation, la richesse des masses. Donc des acousmoniums, théoriquement, s'en construire beaucoup. Il y en a surtout un qui est connu, qui est célèbre. Enfin, celui que je connais, c'est celui qui est à la salle Olivier Messiaen à Radio France. Donc, vraiment le lieu du GRM. Ça peut aller, je crois qu'il y a plus d'une centaine de paires d'enceintes à l'acousmonium de Radio France. L'acousmonium peut partir sur une structure d'une vingtaine. On va jusqu'à donc une centaine d'enceinte, il faut le considérer avec sa table de mixage comme un vrai lieu de jeu et d'interprétation des pièces acousmatiques pour passer des infrabasses suraiguës dans la capacité à spatialiser, à rendre le plus intense possible la qualité structurelle, compositionnelle d'une bonne pièce acousmatique. Donc c'est ce travail-là, la pensée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de Michel Chion en vous disant qu'il était très proche de cette idée de l'organisation des sons fixés pour penser la musique concrète, que c'était vraiment ses fondamentaux. Michel Chion, vous avez pu en entendre parler un peu plus parce qu'il a beaucoup écrit sur le cinéma, c'est un spécialiste de la musique au cinéma, donc il a écrit effectivement sur la musique concrète, mais Michel Chion a pas mal écrit aussi, alors outre ses textes hein, sur Bale, donc la musique de Bale ou la musique de Pierre-Henri, mais sur Tarkovsky. Il a écrit sur Chaplin, il a écrit sur Tati, il a écrit sur David Lynch. Et il a écrit des bouquins génériques sur le son au cinéma, comme la voix au cinéma, le son au cinéma. Bref, il y a une œuvre très très vaste et assez géniale. Je vais vous faire écouter un petit bout, ma pièce préférée du Requiem de Chion. C'est une pièce que j'ai écoutée à dos des centaines de fois. Et du coup, moi, je vais vous faire écouter le Sanctus, qui est le morceau que je préfère du Requiem. J'espère que ça va vous plaire. J'ai plein d'histoires personnelles liées à ce morceau, dont certaines assez drôles, parce que je l'ai fait écouter dans des circonstances très très marrantes. Je crois que la circonstance la plus drôle, c'était invité à faire un plateau radio dans un bar sénégalais où on servait du punch, où on se saoulait la gueule en écoutant essentiellement du zouk et ce genre de musique. Une émission de radio où j'ai fait passer la pièce que vous allez entendre, et c'était assez drôle, parce que... plein de mecs ont décidé d'essayer de danser et c'était très drôle. C'est un des moments les plus marrants de ma vie. C'est un moment où j'adorais aller à Rennes au Taxi Bruce parce que j'étais très bien reçu et en plus, ils servaient le cognac dans des verres à coca. C'est pour 25 francs. T'avais un verre à coca de cognac qui était déchiqueté pour toi. Ils devaient être bien. Pour ça qu'ils ont essayé de danser, je pense. Et j'adorais cet endroit. Mais faire des émissions de radio là-dedans, c'était des grands, grands moments. J'ai rarement mais le Requiem de Chion. Alors, les calembours sur Chion, non. Sur Chion, on ne peut pas faire de calembours. Ça ne marche pas. Je ne souscrirai à aucun calembour. Et moi, je l'ai entendu j'ai entendu une conférence de Michel Chion à Rennes. Et c'est génial. C'est un théoricien aussi très, très intéressant. C'est vrai. Il y a quoi? Il n'y a pas Mion comment y a, Mion, c'est très différent. Ça n'a rien. Pourquoi tu penses à Mion? Non, mais il y a une de ses pièces qui s'appelle comment On n'arrête pas le regret. Il y a La Tentation de Saint-Antoine. Ah oui, La Tentation de Saint-Antoine, c'est bien. D'accord. Je confonds, c'est pas Mion, c'est Chion. C'est bien Michel Chion. Ouais. Alors, je vous fais écouter le Sanctus de son Requiem. J'espère que ça va vous plaire. Moi. C'est très beau. Pour moi, c'est vraiment... Je l'ai tellement écouté. Oui, il l'a trop écouté. Mais, c'est un de mes fondamentaux. Voilà, avec quoi j'ai grandi. Dust, 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 dust.
Et voilà, c'était pas beau ça? Qu'est-ce que tu as écrit? Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, c'est ce qu'il disait. Je te demandais ce qu'il disait au début, je me croyais qu'il disait sale gosse, sale gosse. Non, c'est sale gosse, sale gosse. Altesse, altesse. Altesse, altesse, altesse. Bah voilà, oui, on entend bien ça. Que ce qu'on veut bien mais entendre. Oui, on entend 72 ou 73 d'ailleurs? 72. Ah non, c'est la meilleure année, 73, parce que 72, c'est la meilleure année du monde. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Tous les gens qui sont nés en 72 sont des personnes absolument merveilleuses. C'est vrai. Ouais. Oui, je ne vais pas dire le contraire. Surtout ceux qui sont nés en janvier 1972. Ceux-là, ils sont complètement incroyables. C'est fou. Bah, tout le monde s'accorde pour dire, oh là là. Je vous dis que ça. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur... Toi aussi, t'as cru qu'il disait sale gosse, mais c'est parce qu'on venait de parler de cours d'école et tout. J'entendais sale gosse, sale gosse, sale gueule. C'était déçu, bah oui. Mais Hosanna, au plus haut des cieux, c'est très beau, quoi. Parce que là, j'entends... Oui, oui, il y a un petit retour. Un petit retour. Eh bien, on est... Est-ce qu'on est assez nombreux pour justifier un petit raid? Un petit raid, on peut faire ça. Qui est-ce que tu veux raider? Alors, il y a Redab, il y a Yuka Inu. Il y a qui d'autre? Il y a Monsieur Anarchiste, il y a Gotaga, il y a plein de gens que je ne connais pas, en fait. Non, je ne connais pas, c'est des chaînes recommandées. Okomari, c'est fini, c'est dommage, je n'arriverai pas à leur aider, ce brave Okomari, dont les raids sont tellement passionnants. Alors, attends, là j'ai... tout le monde est déconnecté dans mes D'accord, tu n'es pas abonné à ces trucs. Et où est-ce que vous aimeriez aller? Ouais, évidemment, il y a toujours le plaisir d'aller voir Youk. Hein. Ouais, mais je l'ai déjà raidé la dernière fois. Je sais pas quoi dire. Est-ce que, alors, Suze, en même temps, il y a une chanson baroque que tu chantes avec ton groupe Agnès, tu y entends chez le dentiste, donc bon, faut pas trop se fier à ton oreille. C'est vrai que, pourquoi? Alors, on peut faire un retour. Il y a une chanson baroque que tu chantes avec ton groupe, Agnès, j'y entends chez le dentiste. Ah bon? Ouais. Et ouais, c'était drôle. Hein. C'était quelle chanson? C'était hyper drôle. C'était alors... pas mille regrets quand même, rassure-moi. Non. Alors, on essaie de redé. Je crois qu'il y a Monsieur Anarchie, ça peut être sympa, j'imagine. Hein? Parce que ça changera du hook. Allez, on fait ça. On est au bon endroit. Bon, écoutez, on leur dit merci, bonsoir. Merci d'avoir été là. C'était et cool. Et puis, il y aura la suite. Hein. Moi, j'ai prévu de faire, en gros, une fois par mois, solfège de l'objet sonore, parce que c'est bien, c'est intéressant. Moi, je ne l'ai pas écouté depuis 20 ans, ces bandes, donc c'est bien, ça me rafraîchit. Puis depuis, j'ai appris à connaître la musique électro, alors qu'à l'époque, je ne connaissais juste rien. À bonne bientôt. Soirée, bonne nuit. Bonne soirée à tout le monde. Hein. Et on espère que tout ça va fonctionner. À bientôt.
Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? 4 spectateurs, 8 spectateurs. Oui, ça a l'air de fonctionner. Il y a 8 spectateurs. Eh bien, c'est super. C'est un tout petit raid. Ben, c'est un gentil raid, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, bonne nuit à tout le monde. C'était bien de vous avoir.